Salut! Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut! Ça date, effectivement, tu dates, frère. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Moi, je suis complètement naze. Ah, je suis crevé. Hein. Ah, je suis crevé. Et moi? On va partir pour 3 heures. 3 heures de live, cette fois-ci. Petit test de cette semaine, on verra bien ce que ça donne. J'ai commencé à partir de 8 heures. Cette semaine, et on verra bien. Force à toi. Force à toi. Rétablis-toi bien. Hop. Donc, je vais te boucher un petit coup. Alors, le dernier stream, bah, c'était hier. Et on avait fait 3 tours. Enfin, 2 tours. 2 tours de Creeper. De la ferme à Creeper. Il en reste une à faire aujourd'hui. Donc, eh bien, c'est parti sans plus attendre. Et puis, voilà, sur les fameux bonnes. Et hop, je vais juste regarder si tout fonctionne correctement. Ouais, apparemment, c'est carré dans l'axe. Donc, ouais. Voilà. Splendide. Je vais aussi réparer ma pioche, du coup. Là, ça serait pas trop mal de réparer la pioche, parce que là... Salut Noisette, j'espère que tu vas bien. Moi je suis complètement naze, mais sinon ça va. Ça va tranquille. Hop, alors le stronghold, on va aller réparer la petite pioche vite fait. Ça va prendre quelques temps. Voilà, quelques secondes. Ouf. Et bah tant mieux. Et bah tant mieux. Hop. C'était par où moi je pense? C'était par là-bas. Ok, ça marche, je vois. Ça fait longtemps que je suis pas venu au Stronghold, donc j'ai pas trop le chemin en tête. Hop. Ah, je suis un peu raté. Voilà, merci beaucoup. Splendide. 1300. Oula. 1130. Tout pile. Oh là. Oh, les fesses sont pas. Sont pas avec nous aujourd'hui. Ouais, c'est normal qu'ils sont pas au jeu. Qu'ils sont pas avec nous, c'est parce que je suis en train de générer terrain, donc forcément. J'ai 30 FPS. Yes, merci. Bientôt les 2K. Voilà, faut pas que je me trompe.
Hop. Je vais baisser ça quand même parce que j'entends mon casque, c'est pas agréable. Non, t'inquiète, au calme. Au calme, au calme. Ouais, t'es là depuis longtemps. Hein. Enfin, en tout cas, sur la chaîne, t'es là depuis longtemps. Bien sûr. Ça, c'est clair. Je sais plus combien j'avais d'abonnés, 600, 700 peut-être. Par là. Donc, ouais. Ah, bonjour, au revoir. Hep. On va dire que t'es là depuis longtemps. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va finir la ferme Creeper, la dernière tour. J'en ai construit 3, il en manque une quatrième. Et ensuite, on va partir en plan minage. Voilà, petit minage pour se détendre. Et potentiellement, également, tenter d'avoir le Bitcoin en diamant. Vu qu'il me reste peu de blocs déjà, ça en fait à voir. Donc, ouais. Ah, t'étais vraiment là, quasiment au tout début de mes streams en fait. Hein. Quand j'ai vraiment commencé à live sur YouTube. Quasiment en fait. Hein. Truc de zinzin. Truc de zinzin là. Hop. Bah du coup, j'ai un petit concept. Tu peux voir le petit concept en faisant le point d'exclamation abonné. C'est un concept pour vous justement. Et bah, je vais faire ça avec toi. Du coup, que t'es là aussi depuis longtemps. Je vais te mettre un minerai d'émeraude. C'est un peu mieux. Oula, par contre, faut pas que je me trompe, bien sûr. Parce que si je me trompe, bah, c'est pas ouf. Alors, est-ce que ça rentre? Super, ça rentre. Let's go. Hop, donc le petit concept, maison des abonnés, très très simple. En gros, les abonnés qui sont actifs, je renomme une émeraude à leur honneur. Et je les encadre. Je les encadre dans la petite maison des abonnés ici même. Donc, bref. Je sais plus si j'ai... Ouais, nice. Hop, donc te voilà. Donc, petit minerai d'émeraude. Minerai d'émeraude pour toi, parce que vu que t'es là depuis longtemps, t'es là depuis tard longtemps. Donc, voilà, ouais, c'est un peu le premium. Et là, ici, nous avons le deuxième premium, qui est Mathieu Metelac, qui est l'abonné, justement, qui m'a fait passer les 1000 abonnés. Donc voilà, voilà. Voulez-vous. Hop. Allez, s'il te plaît. Voilà. La ferme à faire, faudrait que j'aille voir aussi la ferme à faire. Parce que la dernière fois, elle était bien remplie. Elle était bien, bien remplie, donc... c'est... Oh, je vais peut-être la vider, quoi, pour ce stream, vu qu'on va stream 3 heures. Donc, hop. Ah ouais, elle est bien, bien, bien remplie. Hein. Bien, bien, bien remplie. Ouais, en quelque sorte, on va dire. Hop. T'es un ancien. Tu connais. Hop. Le fameux cadre des 700 abonnés. Hop. Voilà. Comme ça, on a pas mal de blocs de fer. Ouais, regardez-moi ça. Incroyable. Cette ferme à fer est plutôt efficace. Complètement. Oh, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire ce que vous savez faire de mieux. comme d'habitude, vous connaissez. Et j'ai mis un waypoint ici encore sans faire exprès, je sais plus c'est quoi. Le... Voilà, hop, dégage, merci. Bah c'est parti, zone des farms, c'est l'autre côté. Ah ouais, le fameux cadre des 700 abonnés. Ah, ça date un peu. Bah ça fait plus d'un an. Hop. Oh non. Mais pourquoi je spawn en grotte? Ça a pas de sens. En plus c'est giga balèze la grotte. Oh y'a du diamant. Oh y'a... Bah hop. Bah y'a ref. Moi je peux... Attends, je vais mettre un petit waypoint ici parce que... Ah ouais, c'est quand même vachement intéressant. Hop. Expo. Voilà. Maintenant, je représente par de l'argent.
Ah, t'inquiète, il y a le Citron Gaming qui a repris le flambeau. Il est plutôt fort en matière de argent. Je sais pas s'il est là ce soir ou s'il sera là plus tard. Mais t'inquiète pas. Il a fondé la team rat. La fameuse team rat. Bon, par contre, je vais encore mettre 2 ans à... 2 ans à remonter, du coup. Ah, c'est quoi ce petit lac de mort, là? Ouais, j'ai déjà battu. J'ai déjà battu la semaine dernière. Le rat original, évidemment. Évidemment. Bien sûr. Hop. Donc la petite quadriferme. Je sais plus quelle ferme j'avais fait lors de la survie là. Je sais plus. Ah si, c'est genre. Mais... Ah si, j'avais fait une quadriferme à Creeper. Ouais. J'en avais déjà fait 4. Ouais. J'avais une zone avec plein de farms et tout, c'était sympathique. J'ai vraiment dégoûté d'avoir perdu cette survie. Hein. Mais bon, c'est la vie. La vie, la vraie. Hop. Voilà. Elle est ici, la petite entre guillemets ferme. Donc, hop, 1, 2, 3. Et il manque plus que la dernière, la quatrième. Splendide. Splendide, splendide. Et c'est parti. Alors, je vais dégager tout ça parce que j'en ai pas forcément besoin, mais on le faire en... Bah les couilles, bah les reins, bah les yeux, c'est moi les là, oui. Et le Raven Follower de la stone pour commencer. De la petite stone de qualité. Là, il en reste encore pas mal. Ensuite, il va falloir du verre, forcément. Ah, attends. J'avais pas de choker avec plein de verre. Il me restait encore du verre quelque part. J'ai plus que ça comme verre. Ah, ça pue, hein. J'en aurais jamais assez. Ah, j'en aurais jamais assez. Ah, je suis sûr et certain que j'ai notre choker de box. Avec du verre. Ça me paraît bizarre cette histoire. Eh bah ben, c'est cool, alors c'est cool, c'est cool. Tant mieux. Parce que là aujourd'hui c'est un test. Hein. Je suis en train de faire un live à partir de 8h, donc je sais pas s'il y aura des gens. Bonne question. Bonne question. Et surtout un lundi. Hein. Un lundi, c'est le jour où il y a le moins de monde. Donc bon. Mais bon, on verra bien. Alors, petit trou. Hop. Ah non, sérieux. Je pensais que j'étais passé. J'ai pas de... Ouais, la vache. J'ai pas d'autres verres parce que ça me paraît bizarre, en fait. J'ai aussi peu de verres pour la troisième ferme. On verra bien, ça se trouve, ça va passer. Hein. Je sais pas. Hop. Et... Excellent. Franchement, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que les Elytras, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais vas-y, on va éviter. On va éviter. Ce serait sympa de pas mourir. Surtout que je suis en train de préparer une vidéo de survivre 100 jours en hardcore. Alors bon, si je meurs là, pas fou. Hein. Pas fou. Voilà, c'est là que je veux que ça spawn. Voilà, parfaitement, exactement. Mais vraiment, ça me turlute la pine que je n'ai pas de shulker, un peu plus de verre que ça en fait. Bon, verre bien, ça se trouve ça va passer. Hein. Même falloir également ça et bah des torches forcément. J'aurais peut-être même pas assez, c'est sûr. Et je vais aller là et on va faire là. Quatrième plateforme. Zbé. Voilà. Splendide. Hop. Je vais quand même checker la musique. Ce que ça donne. Ok, nickel. Il y a toujours les lamas qui sont là. Eux, ils vont pas despawn. Ils vont pas despawn, donc je sais pas jusqu'à quand ils vont rester là.
Mais bon, assez marrant de les voir ici pour le coup. Hop. Contrairement à leur maître que j'ai buté, bien évidemment. Oh waouh, Abbey KFC. Waouh, la vache. Effectivement. Effectivement, je me rappelle. C'était le feu. Hop. Ah, carrément. Carrément que ça date. Dis donc. Tac, Susnik, c'est vrai que c'est giga pété, Susnik. Hein. C'est trop bien. Moi, je kiffe. Yep. ouais, ça fait déjà un an. Hein. Un peu plus d'un an. Déjà. Même presque 2 ans, je crois. Donc, je sais pas. Mais ouais, ça date. Incroyable. Il s'en est passé des choses. Depuis. Hop. Mort de rire. Un petit coming out absolument gratuit, comme ça. En mode, tiens, fais-en ce que tu veux de cette information. Je ne suis plus maître de rien dès à présent. Yo, salut. Je les ai placés dans ton coffre, t'inquiète. Justement, quand je parlais de la relève de la team Ra, il est là. tu as ton prédécesseur dans le chat, le Citron Gaming. Incroyable. Bon, là, du coup, c'est pas du tout centré, bien évidemment. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, c'est 8. Donc là. Si je pars à partir de là, je crois que c'est là le centre. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est là. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, c'est bel et bien le centre. Ouais. Carré dans l'axe! Exactement. Exactement. Ouais, je pense vraiment que je vais pas avoir assez de verre. Hein, parce que ça me paraît vraiment bizarre que. Quoique 2, 4, 6, 8, 10, 12 x 10, 120. 2 stacks, c'est mort. J'aurais pas assez de verre. Salut PPGPP Game. J'espère que tu vas bien. Tu étais le premier. GG à toi. J'ai vu ton message. Je l'ai vu. Tu es le first. Les fameuses émeraudes. Ah oui. Les fameuses. Alors. Hop. Petit pseudo ici. Bon, je vais mettre mon addition parce que ce sera beaucoup plus simple. Même l'argent. De l'argent. La thune. La thune. Eh oui. Et oui, la relève, c'est un citron. Hop. Il incarne l'esprit, parfaitement l'esprit du rat, du rongeur. Plus proche de l'homme. Ça marche, bon app. Mais. Ouais, ça va. Je suis crevé aujourd'hui. J'ai eu une journée assez intense. Donc, un peu fatigué.
Enfin, attends, c'est juste un rendez-vous en fait. Mais un rendez-vous très très important. Pour peut-être avoir du travail plus tard. Donc bon. C'est comment? Hop, ah non, j'ai tout bien fait. Voilà, nickel. Hop, bah alors, on est nul. Oh, c'est tellement satisfaisant de voir les creepers tomber là. Bon, par contre, je pense que j'aurais vraiment pas assez de verre. Après, ça va, les verres, je peux. Enfin, les vitres, je peux les acheter. Donc, on sarre tout ça. Ça devrait aller. Hop, il m'a plus qu'une petite source d'eau ici. Et. Oula, bizarre un peu là. Ah non, c'est normal. Ok. Bah voilà, nickel. Ah non. Il y a encore des. Ah, il manque de l'eau aussi. Ah là. Nickel. Comme ça, je pourrais faire la plateforme qui est juste en dessous. La plateforme avec des cubes. Évidemment. Le fameux Sarah. Bien évidemment. Hop. Ah, bonjour. Après, là, du coup, il n'y a pas de torche. J'avais pas une choker avec des torches aussi. Ah, parfait. Ah, nickel, voilà, c'est ça que je cherchais. Splendide, comme ça je pourrais en mettre ici. Salut les refs. Bah alors, on meurt? Oh, la ferme, elle marche trop bien, c'est un truc de fou. Je crois qu'elle a jamais aussi bien marché dans un monde hardcore, vraiment. Ça fait giga plaisir. Salut Cédric, bah j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Aïe. Aïe, je suis en train de me noyer. Non, c'est pas ça. Je suis en train de prendre des dégâts. Aïe, 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 aïe. Donc, du coup, pour expliquer un peu ce que je fais, je suis un YouTuber Minecraft hardcore. Et je live du Minecraft hardcore, lol. Logique. J'essaie de survivre depuis un mois environ, un peu plus d'un mois maintenant. Et là, je suis en train de construire une petite ferme creeper. Enfin, une petite 4 tours. Là, je construis la quatrième. Et après, on va faire une petite séance de minage tranquille, chill. Hop, avant de repartir sur des fermes pour les prochains streams. La prochaine ferme, ce sera la ferme à canne à sucre, vu que bah, va falloir diffuser. Tout simplement. Ah ouais? Ah super, 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 super. Tant mieux, tant mieux. Alors. Normalement. Hop, hop, hop. Attends, non, c'est pas comme ça. Je sais absolument pas si c'est comme ça, mais vas-y, c'est pas grave. Non, je crois pas. Fichtre. merci beaucoup. Sympathique. Faut juste que là, je recherche c'est quoi les trucs. Donc là, admettons, là, c'est campfire. En dessous des loopers. Donc là, normalement, les coffres, c'est censé être là. Voilà. Non, ça, c'est ma fusée. Merci beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Bah, je pense que ça l'est déjà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de religions sur ma chaîne YouTube. Mais possible. Non, je veux mon coffre. Merci. J'ai pas assez de coffres. Alors ça, c'est marrant, ça. C'est rigolo marrant. C'est rigolo drôle. Ferme à creeper. Du coup, c'est ma quatrième tour, là. Je suis en train de... J'en ai fait 3. 2 hier. Et la première, il y a... La semaine dernière, je sais plus. Et là, je suis en train de construire la quatrième tour. Quatrième et dernière. Hop. Ah, j'ai plus de coffres. C'est un délire, ça.
Elle est mauvaise déjà pas. Exactement, exactement. Ce sera la nôtre, notre religion. Bon. On va revenir à la base, on va voir ça. Et ouais, je pense vraiment qu'il va me falloir aussi de la vitre. Parce que c'est vraiment bizarre que j'en ai aussi peu. Normalement, j'avais tout bien prévu, mais apparemment, bah, c'est pas le cas. Donc on verra bien. Paf, je vais leur faire des coffres, on sait jamais. Tac! Oh, les cheveux des profs. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, oui, bah, du coup, je te présente un peu ma base. Là, c'est ma baraque. La petite maison sympathique de moi. Et là, ensuite, juste là, bam! C'est la maison des villageois. Bon, je l'ai pas construite pour qu'elle soit belle. Je m'en suis tapé les couilles, je peux le dire. Et bah, j'ai mon commerce. J'ai mon petit commerce de villageois ici. Donc là, voilà, on est bien. On est très très bien. Par contre, à chaque fois, bah Ah, c'est à nouveau, ça. Toi, t'es nouveau, toi. Par contre, il me faut de la vitre. Ouais, ça a changé. Après, si t'es venu avant les 1000 abonnés, c'est pas la même survie. Si t'es venu avant les 1000 abonnés, c'est pas la même survie. Là, c'est une autre parce que je suis malheureusement mort sur la map où j'ai passé les 1000 abonnés, donc... Comme un canard, en plus. Bon. Salut, j'espère que tu vas bien. A promis la cathédrale des... C'est vrai. Faut que je la mette sur mon Discord pour pas l'oublier. Mais y'a personne qui propose du vitre. Juste du vitre. Ah ouais, putain, ça date un petit peu, oui, effectivement. Donc c'était vraiment pas sur cette survie, quoi. Pas du tout. Mais normalement, j'avais les libraires qui me tradaient de la vitre. Ils sont passés où? C'est un mode. C'est un mode. Ah, j'ai pas envie de dépenser pour... Bon, c'est pas grave. Voilà, petite ferme à fil, hein, ferme basique. D'ailleurs, j'aurais profité pour la remplir à fond. Donc, sympathique pour faire des trades. Ouais, 600 et quelques. 600 et quelques. C'est un vieux de la vieille. Il y a plus d'un an, si ce n'est deux, presque. Si ce n'est deux, même. Donne-moi de la vitre. C'est pas possible. Bonjour. Toujours là, lui. Fidèle à son poste. Apparemment, j'ai pas de libraire qui propose de la vitre. De mémoire, si. J'avais déjà traité de la vitre. Mais bon, apparemment... ils sont pas là. Ah, mais par contre... Hop. Ouais, bon, d'accord. Bon, tant pis. C'est pas grave. S'il nous manque de la vitre, ben, bon, c'est pas grave. On ira en chercher, puis... Et puis, tant pis. Hop. On repart. Presque deux. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais oui. Ah oui, d'accord, oui, ok. Bien. Vas-y, ça marche. Bah ça va, il y a du people à 8h. C'est sympa. Hop. Alors, tac, 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 tac. Ah. Attends. 2, 4, 6. Ah, j'étais pas loin. Pas loin de pas avoir assez de coffres. Allez, hop. Voilà. Et je pense que je vais devoir même... Bon, c'est pas si grave ça. Attends.
C'est trop haut là, non? Je vais vérifier quelque chose. Oh là! Je vais vérifier après. Mais je pense que c'est trop haut là. Ah ouais, c'est trop haut là. Ah, c'est chiant. Une station de ski, c'est compliqué. Je sais pas trop build, mais on verra bien ce que je peux faire. Mais si tu es sur Discord, n'hésite pas à le mettre dans le channel défi. N'hésite pas à le mettre à l'intérieur. Mais ouais, de toute façon, tout ce qui est dans... Ah oui, ouais, c'est un peu trop... Ouais, ça... Hop, va falloir que je... J'agrandisse un peu la plateforme. Yes, t'as le channel défi. Bah, au pire, tu mets dans le channel défi, mais plus tard, j'écris un... Je vais créer un channel suggestion hardcore, et puis comme ça vous pouvez mettre vos suggestions à l'intérieur. Ça peut être sympathique. Effectivement. Donc là on est carré. Hop. Voilà. Parce que normalement. Parce que normalement là il y a campfire en fait. Celle-là elle est campfire je crois. Voilà. Hop. Ah merde. Pouf. Tac tac. Tac tac. Tac. Voilà. Donc là, je suis même pas encore... C'est pas encore bon là. Ça marche. Super splendide. Voilà, comme ça, là il n'y a plus qu'avec Looper. Alors non. Voilà, et là on est bon. Là on est bon, super splendide. Drone, ouais c'est cool. Je vais regarder. Absolument pas, je connais pas. On va pouvoir commencer à faire les étages. Splendide. Alors, pour ça, il va me falloir de la vitre et de la stone. Je vais ranger tous les items que j'ai. Comme ça, je pourrai avoir plus de stone. Alors, hop, hop, hop. J'ai pas ma shaker de fusée. C'est normal, elle est là. Splendide. Elle est vide. Ah non, j'ai pas de drone, pas du tout. Argent! Ah, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Du coup, non, j'ai pas regardé. Aspin Hotel. Nope. Je suis un fossile. Abuse pas non plus. Hop. Voilà, donc il va falloir que foutre un petit verre ici parce que je crois que 1, 2, 1, 2, ah. Ok, non, c'est pas là que je vais foutre le verre, mais c'est plutôt là. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, voilà, splendide. Pouf. Hop, hop.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va c'est comme ça. Voilà. Donc, le sentier là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, splendide. Le plus important, c'est le fric. Évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bon, je commence par les côtés. Vas-y, on va dire là. Paf. Alors, 1, 2, 1. Parce que le plus difficile à construire là, c'est le premier étage. Ensuite, les autres, ça va aller tout seul. Notamment ici. Ah! Hop, voilà. Hop. Voilà, nickel. Ah non, il reste encore ça ici. De toute façon, là, c'est du verre. Hop. Ah. Ah, il y a un petit bug dans la matrice, là. Ah, flûte. Ah, fichtre. Fichtre. J'ai sorti ta tigura du tome 1. Ou j'essaie de faire ton Discord. Ah, effectivement. Effectivement. Ce fut bien marrant. Non. Alors, où est-ce que j'ai foiré, du coup? Parce que là, du coup, c'est pas censé être comme ça. Ah, c'est casse-tête. Ça recommence. Ouais, je dois tout recommencer. Tant pis. Ah 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Bah, je sais pas comment j'ai réglé le problème, mais il est réglé. Super splendide. Continuons donc comme ça. Ah, j'ai oublié le dispenser. Ouais, bien vu. Les dispenseurs et les observeurs. Sinon, je pourrais pas dispenser l'eau et les creepers, ils vont rester là. Donc, hop. On va chercher tout ça. Salut, salut à toi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ah ouais, carrément. Bah, bon voyage en avion. Bon voyage en avion. C'est pareil, là, il va manquer un dispenser, là. Je comprends rien là, c'est quoi ce délire? Est-ce que par hasard il manquerait pas des. Il y aurait pas des petits trucs là sympas ici là? Là j'ai de la stone. Le télé qui rajoute un viewer, stylé, stylé. Ça me rajoute du temps de visionnage aussi. Potentiellement, je sais pas comment ça marche, mais bon. Voilà, il y a plein de torches. Mais il n'y a pas de dispenser. Ah, il va manquer un. Il va me manquer un. Bon, je vais aller chercher tout ça. J'ai pas ma pelle. Non, évidemment. Je vais prendre le sable et le faire cuire. Niou. Hop. Ah, d'accord.
intéressant. Alors, du coup, j'étais venu chercher Fur. Un dispenser. Du coup, il me faut un arc. Évidemment, les arcs, j'en ai pas. Un peu logique en même temps. Non. Tu peux pas me faire de don. Tout simplement. Parce que je n'ai pas encore activé le spear chat. Et je peux pas activer vu qu'il me faut 4000 heures, 3000 heures de visionnage. Et je sais pas. Eh ben. Dis donc. Incroyable ça. Je vais pas te voir du coup durant ces prochains jours. Stylé. Bah profite, profite bien. Ah merci, c'est sympa. Pour l'instant malheureusement je peux pas, j'ai pas le super chat d'activer donc. Donc pour l'instant je peux pas activer les dons. J'ai peut-être un arc à l'intérieur. J'ai la flemme d'en crafter en fait. Mais... Ah ouais mais. Vas-y, les lots de durabilité ça marchera pas. Moi je dois en crafter un, hein. Bon c'est pas grave. Tant pis, j'ai du fil. J'ai pas de stick, évidemment, vu qu'il y a tout qui est là-bas. Ah, mon Nether Chest, il est là! Super! Là, pour l'instant, sur rien du tout. J'ai pas de plateforme pour recevoir des dons ou autre. Donc malheureusement, il faut attendre que j'atteigne les 3000 heures de visionnage. Pour pouvoir faire des dons. Et ce sera pas un petit bout de temps. Malheureusement. Hop. Ça marche, ça marche. Ah mais carrément, mais de fou, de fou, de fou. Mais faut qu'il y ait quelqu'un qui reste 3000 heures. Avec un double compte, vas-y, sinon ça passe. Zone farm. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Elle est en change. Hein. Mais 500 balles. Ouais, ouais, je sais où. En vrai, hé, hey, t'es bien. T'es bien, t'es bien. Ah non, 1560. T'es bien. Seulement. Enfin, j'ai mon double compte, c'est ma chaîne Tiffet Short. Sur lequel je publie les clips des lives. Tous les jours. Hop. Du coup, je l'ai même pas crafté le dispenser. Énorme bolos que je suis. Bon, c'est pareil, les dispensers, je verrai ça plus tard. Je vais m'attarder sur la construction de la ferme. Hop, voilà. So. Voilà. Et on est reparti. Ah, c'est pas mal, hein. Ah ouais, 1560, c'est une dinguerie, là. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Oh. Tu lâches 1500 d'un coup, t'es en train de pleurer, hein. Tu pleures. Moi, déjà, pour ma carte graphique, j'ai lâché 510. J'ai pleuré. Pour mon permis, j'ai lâché 300 euros d'aide. J'ai pleuré. Et 1500, là, je promets pas. Oh, ça pique, hein. Yes. Ouais, j'avais plus de voix, je sais plus pourquoi, mais... Peut-être parce que... Non. À l'époque, j'allais pas voir les matchs. Je sais plus, j'étais peut-être malade, mais bref. Je me rappelle, ouais, j'avais fait le live en ayant une voix totalement cassée. J'étais peut-être juste malade, je sais plus.
Quelle époque? Le quoi? On peut voir où le heure de vision. Ah, les heures de visionnage. Vous pouvez pas. Il y a que moi qui peux. En fait, c'est 4, c'est 3000 heures de visionnage sous l'année dernière. 365 jours. Et je suis à 914 heures. Voilà. Ça, vous le savez. Donc, plus que 2100. Ça risque d'être compliqué. Soit à la fin du stream, je pense que j'en parlerai. Enfin... Je peux montrer mes stats, moi je m'en tape. Mais hop, pour expliquer un peu. Hop, je sais même pas si j'ai Google Chrome d'activer, je crois que je l'ai, il est éteint. Hop, waouh la vache! Ah oui, non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Putain. C'est les économies de plusieurs années, ça. Putain, tiens. Tu étonnes que tu pleures. 7 ans, bah voilà. Putain, tiens. La vache. 7 ans d'économies qui partent comme ça. Non, c'est trop. C'est un truc de zinzin. Hop. Beaucoup esprit gras, ouais. Tu avais la voix un peu cassée, même beaucoup. Ouais, je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Je sais pas si c'était la période où j'avais une laryngite. Si c'était ça veut dire que ça date d'il y a un an, plus d'un an même, vu que c'était en décembre 2022. Sinon, je sais plus. Soit j'étais malade, soit c'était la période où j'avais une laryngite. Hop. Ouais, carrément, ouais. C'était une dinguerie à l'époque. Hop. Alors, du coup, c'est là. Merde. Ah, regardez. J'ai plus que ça de verre. Ah, bah ouais, c'est largement pas assez. Je sais pas ce que j'aurais foutu des autres blocs de verre. Moi, j'ai peut-être mal calculé. Même si, bon, faire un x4, bon, c'est pas compliqué. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas si grave, de toute façon. On va juste aller en récupérer un peu. Mais c'est dommage parce que je voulais vraiment vite enchaîner sur... la période de minage, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Life on Luxury. Ça me dit un truc. Ça me dit un truc, possiblement. En plus, j'ai bientôt plus de fusée, mais c'est pas grave, ça. Attends, là, c'est la shocker avec la gunpowder. Attends, j'ai pas une shocker avec la gunpowder. Ah non, j'avais tout déposé, déjà. J'ai tout déposé, ouais. Ouais. Bon, on va à la base. Je vais récupérer du sable, du coup. Hop. Quelques petits stacks, ça devrait aller. Vu qu'apparemment, j'ai pas de trade avec les vitres. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Au pire. Ou alors, je trade avec les libraires en espérant avoir le trade des vitres. Ouais, vas-y, la flemme. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Au moins que c'est pas eux qui peuvent voir pour les vitres. Je vais checker sur internet parce que ça paraît bizarre. Je suis à peu près sûr et certain d'avoir trade avec des villageois pour avoir du vitre. Oui, je sais, je dis pas une vitre, de la vitre ou du... Je dis mal du vitre, mais c'est parce que c'est rigolo, c'est un running guy. Alors ouais, c'est bien avec le libraire, hein, c'est bien ça. Complètement bizarre le type.
complètement à la rue. Ouais. En plus, toutes mes amendes sont là-bas. Bon, bref. Tant pis. Ah, oh, ouais, il y a beaucoup de monde, hein. Ça fait beaucoup de monde, hein. Attends, est-ce que je peux pas traiter de la vitre avec cela? Ah, je crois pas, hein. Non, non, non. Rendez-moi mon argent, Singapour. Eh, hey, les gars, Henri Tran est allé à Singapour. Waouh. Pour ceux qui ont la ref, MDR. Ouais, j'ai un peu de sable ici. Justement, toi. Paf, dans ma défusée. Incroyable. Tarif. Masterclass. Hop, le petit EC. Avec l'appel que j'ai retrouvé. Parce qu'évidemment, il y a un truc qui n'a pas changé. C'est que je perds mes outils. Je les balance sans faire exprès. Alors si je me dis, oh bah ça alors, ils sont où mes outils? Et je regarde mon live. Et je me constate que les outils ont des spawns entre temps. Je vais perdre ma pelle à cause de ça. Mais j'ai perdu mon arc. Et oui, mon arc a des spawns. J'avais jeté sans faire exprès. Banger le concept. Oh merde. Il est trop fort, Feldup, il est trop fort. Il est trop fort. Hop, voilà. Ça suffira. Ou pas. Je sais pas si ça suffira en vrai. J'espère. J'en prends plus. On sait jamais, j'en prends plus. Par contre, c'est vrai que ici, j'ai pas de four. Mes fours, ils sont là. Dans mon ancienne base. J'en ai que deux. J'ai pas de four. Hein. Truc de fou. Alors, j'avais fait de la brique, je me rappelle très bien. Pour les flower pots. Ou paf. Je vais me ramener avec du sable en plus. Hein. J'ai la gueule à Feldup. Ah ouais. Un débar. Oula. Ah ouais, ça. Putain, tu t'es fait niquer là. Ah c'est con. Triste. Hop. En vrai, je vais prendre un troisième stack. Je pense que ça suffira. Je vais dégager la terre. Hop. Enfin, deuxième stack, du coup. Ça fera 4 stacks de vitres. Je pense que ça sera largement suffisant pour la ferme. Hop. Voilà. Splendide. Ça m'étonne que j'ai pas de four dans ma maison. Est-ce que j'ai des fours dans ma baraque? Merci. Merci, merci. Et salut à toi. J'espère que tu vas bien, mec. Alors. Il semble que j'ai des fours quand même. Hein. Ah, j'ai pas de four. Hein. Non, j'ai pas de four ici. C'est rigolo à constater. I have not a furnace. Ouais, carrément, j'espère que tu vas bien. Vite, parfait, ça me fait deux fours. Hop, je peux commencer à décorer, entre guillemets, la maison au-dessus, là, je peux foutre des fours ici. Donc genre, je sais pas, on va dire là. J'irai bien ce que j'en fais ici de cet endroit, parce que c'est vrai que, bah, c'est pas un endroit qui est utile. Mais bon. Oui, quand il y a des gens qui gagnent ça tous les mois, ouais, je te jure, truc de fou. Truc de fou. Salut, salut les gars, j'espère que tu vas bien. Paf.
Et voilà. Et puis qu'attends que ça cuit, plus tranquille. Hein. Voilà. Je vais peut-être me faire un petit dispenser. Je sais pas pourquoi j'en ai 6 et la 8. Un peu chelou cette histoire. Mais ouais, je vais peut-être poser le dispenser. Du coup, ça fait 7. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Évidemment, j'ai pas pris mon arc avec moi. Sinon, ça serait trop facile. Bah, tant que tu vas bien, tant mieux. Et salut, Dani. J'espère que tu vas bien, mec. Non, vraiment, il y avait le Strong Gaming et quelqu'un d'autre. Non, je crois que c'était le Strong Gaming, si c'est tout. Fichtre. J'ai pas pris de. J'ai pas pris de la stone? Ah oui, j'en avais pris, mais. Bref. Hop, voilà. Ah bah, carrément. Let's go faire neurologue. Neurologue? Aïe aïe aïe. Mon dieu, mon dieu. Redstone. 8000, eh ben dis donc. Après, ça va, neurologue, c'est dans la médecine, tu vois. Donc, moi, je suis en mode. Ok, ok, c'est de la médecine, vas-y, au calme. Je suis honnête. Oh, j'ai eu peur. Ouais, un peu vite fait. En vrai, ça va, c'est pas des musiques que j'écouterai toujours, mais en soirée, en vrai, banger. Ça peut être sympa. Je suis un des pionniers du château, je suis un vieux de la vieille. Exactement. Exactement. Ou trader. Oh. C'est compliqué, hein. Compliqué. Faut vraiment avoir la passion pour les chiffres et bah, pas. Ah, c'est chaud, c'est faut vraiment avoir un mental de fou quoi. Un mental de zinzin. Merde, ça c'est mon casque. Ah. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Depuis le petit temps où on s'est pas vu. Hop. Fur. Je suis en train de construire la dernière tour. La dernière tour de ma quadrifère à Creeper. Et c'est bon. Ouais, ça marche, y'a pas de problème. Je l'ai lu avant que tu le supprimes. Mais ça marche. Y'a pas de soucis. Tu me diras quand tu t'en iras, comme d'habitude. Ah ouais? C'est vrai qu'on est en mars, hein. On est bientôt en avril, hein. C'est vrai, bientôt, bientôt, hein. J'ai la chef, hein. Courage, courage, hein. Force à toi. Ça marche. Ah, bon voyage à toi. Bon voyage à toi et on se revoit sur place. Et bonne vacances, hein, du coup. Ah ouais? Je veux le dire chat. Mais oreille, what? D'accord, bientôt la quatrième. J'ai le chef. Non mais ils sont sérieux? Frérot? Tu me déranges un peu là. Au revoir. Ah je crois qu'ils m'en veulent là. Là elle est coincée la boucle, non, là c'est bon, là tout est carré dans l'axe. Ouais, ça, je te fais pas dire que ça passe vite. Hein. Je te le fais pas dire. Oh, tu veux vraiment mourir toi? Bonjour. Je veux pas te buter en fait, je t'explique. Je veux te mettre dans l'eau, parce que comme ça tu vas rejoindre Brigitte et Géraldine. Mais bon, il va quand même crever, rip. Alors du coup, j'ai un peu perdu là, hop, 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 hop. Voilà, j'irai chercher les glaces tout à l'heure après. Y'a pas d'embrouille. Ouais, carrément, carrément. Je suis bien avancé. Bien, bien avancé. Trop de pour. Oh, je suis en train de faire la dernière du coup. Et puis ensuite, on se fera une séance de. Une séance de minage jusqu'à la fin du stream. Alors, non. C'est pas exactement ça. Du coup de la vitre, ouais j'aurais vraiment pas assez de vitre. Hein.
C'est incroyable, hein. Au revoir le lama. Ah, il a disparu, c'est bon, finito. C'est qui mon premier abonné? J'en sais rien du tout. Hein. Alors là, je crois que mon premier abonné, en vrai, de vrai, de tout YouTube, ça doit être un pote du collège. Donc ça remonte. Ça remonte. Ouais, y a pas de problème, ça marche. Ça marche, ça marche. Mais au moins, enfin, le fait que je stream un peu plus tôt prévu, ça, ça permet de voir un peu plus ce stream. Donc ça, c'est cool, c'est sympathique. Donc voilà, c'est vraiment la semaine test pour cette semaine. J'ai tenté de commencer à streamer à partir de 8h. On verra bien comment ça se passe. Voilà, voilà. Et si c'est permis à vous de me suivre un peu plus longtemps, ben c'est carré. Parce que moi, en même temps, ça me permet de faire plus de trucs. Parce que c'est vrai qu'en 2 heures, j'ai pas trop le temps. Et puis à chaque fois, je vais stream plus longtemps. Donc bon. Ça fait de pierre deux coups. Hop. Oh. Non, en vrai, moi je pense que la seconde c'est accessible à tous. En vrai, ça va. Moi je pense que c'est vraiment à partir de la première où là ça va peut-être commencer à un petit peu à devenir un peu plus compliqué. La seconde, ça commence à être sérieux, mais ça va. C'est surtout le changement qui est un peu. Qui est plus compliqué, parce que tu passes de un prof. Attends. Ah non, au collège, t'as déjà plusieurs professeurs. Bah oui, non, au collège, tu. Oui. Ah oui, au collège, t'as déjà plusieurs professeurs, je suis con. Bah non, c'est bon, moi j'ai rien dit alors. C'est juste un peu plus compliqué, mais vas-y. Ça le fait encore. Des anecdotes. Par moi, par rapport au lycée, au collège, etc. J'en ai pas vraiment, vu que bon. C'est pas la partie la plus joyeuse de ma vie. mais j'ai une anecdote par rapport à mes ex. Bien sûr, au collège, j'en ai eu deux. J'en avais quitté une parce qu'elle puait de la gueule. Oh là. Est-ce que c'est bon pour vous ou... Elle puait de la gueule, mais elle schlinguait. C'était un truc de malade mental. J'ai jamais vu ça, mon gars. À chaque fois, je voulais l'embrasser, j'étais dégoûté. Je voulais pas. Du coup, bah, j'avais fini par la larguer en fait. Parce qu'elle puait de la gueule. Hop. Ma soeur qui a terminé, elle fait ma taille. Ah, moi je. Je suis 1m40. Au collège. En 6ème. 1m40. Et puis je suis resté 1m64. Un arbre, moi. Ailleurs, j'ai peut-être une petite anecdote à raconter, mais elle est vraiment nulle, elle est éclatée. Genre, une fois, la classe était vraiment agitée, on avait vraiment pas une classe de fou, vraiment. Une classe qui n'aimait pas vraiment travailler, on va dire ça comme ça. Et un jour, la classe était vachement agitée, elle foutait le bordel à peu près dans toutes les classes. Et un jour, en cours d'anglais en plus, cours d'anglais, la classe était encore une fois très 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 agitée. Ce qui était sympa, c'est qu'en fait la prof elle laissait la porte ouverte et nous on pouvait s'installer pendant que la prof elle arrivait. Donc ça c'est sympa, ouais, sympathique. Donc du coup on s'installe, on arrive et la classe elle fout le bordel, elle fout tellement le bordel qu'on a empêché les autres classes de travailler. Et début 5ème, ouais, j'ai eu plusieurs exclusions dans ma classe. Ah bah ouais. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que. Bah, du coup, la classe, elle foutait un peu le bordel. Tellement que les classes d'à côté, elles en pouvaient plus. Elles en pouvaient plus. Et la prof, elle arrive, et là, elle pète un câble. Elle pète un câble, mais de fou. De fou. Et ce qui se passe, c'est que du coup, au collège, on avait un truc qui s'appelait le permis à points. Et bon, forcément, on avait aussi le carnet de correspondance. Donc, elle prenait le permis à points et le carnet de correspondance et elle mettait un mot à tout le monde.
Sauf que, ce que je n'ai pas dit, c'est que certes, elle a pété un câble, elle a pété un putain de câble, mais elle est passée au level supérieur à cause d'un petit événement. What the fuck? À cause d'un petit événement tout con. Dans la salle de classe, en anglais, les chaises sont en rond. Enfin, les tables sont en rond. En forme de. Non, c'était quoi? C'était la forme de U. Je sais pas si certains ont connu. Mais on avait la classe en forme de U. Et donc, du coup, il y avait les chaises qui étaient au-dessus. Et on devait les descendre à chaque fois. Ce qui s'est passé, c'est que. Bah, j'ai malencontreusement. Vraiment pas fait exprès. J'ai poussé une chaise. Et je l'ai fait tomber. Mais la chaise, elle a fait tomber une autre chaise. Qui a fait tomber une autre chaise. Qui a fait tomber une autre chaise. Et donc, ça faisait un domino. Un domino des chaises qui tombait. Et c'est. J'étais. J'étais trop gêné. Et donc, c'est vraiment à cause de ça que toute la classe s'est pris un point moins, du coup. Et un mot dans le carnet. C'est vraiment ce petit événement qui a fait que la prof, elle a pété un câble de level supérieur. Donc, c'est un peu de ma faute. Alors que moi, je suis le plus sage. Parce que je cautionnais pas absolument pas ce qu'il faisait. Mais voilà. C'était une petite anecdote bien, bien sympathique. Hop. Oh, sinon, moi j'ai une anecdote. Bon, celle-là, elle est moins marrante, par contre. Je vais en parler un peu parce que c'est. Les gens sont méchants entre eux. Surtout au collège. Merde, putain. Surtout au collège. Bah, en fait, je suis victime d'harcèlement, en fait. Voilà. Au collège, j'étais victime d'harcèlement scolaire. Et je me suis plaint. Je me suis plaint à la principale. Qui a pas fait grand-chose. Hein, on va pas se mytho, elle a pas fait grand-chose. Elle a juste pris des mecs et les ont exclus. Exclus pendant 2 jours. C'est tout. Une petite exclusion pendant 2 jours. Bon, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus tard dans l'année. Plus tard dans l'année. Je me fais convoquer par le principal, enfin du coup la principale. Apparemment, j'aurais harcelé mon ex. Voilà. C'est ça. J'ai harcelé mon ex. Tout simplement. Parce que du coup, je sortais avec une meuf au collège et je l'avais larguée. Et c'est pas celle qui puait de la gueule, c'était une autre. Et je l'ai larguée. Et elle s'est vengée sur moi en prétextant un faux harcèlement. Que moi, je lui ai fait. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique. Et là, comme par hasard, la principale, elle a fait toi, tu vas risquer l'exclusion définitive. Alors que je n'avais rien fait. J'avais fait que dalle. J'avais fait que dalle. Voilà. Ça, c'était l'anecdote pas marrante, mais l'anecdote rigolote, quand même. Hein. Parce que ça s'est bien passé, bien sûr. Au final, la meuf. Enfin, du coup, mon ex, elle a rien eu. Elle a rien eu, bien évidemment, par rapport à son dénoncement. Et moi, ben, j'ai mes parents qui sont venus péter un plomb, en fait. J'ai mes parents qui sont venus péter un plomb dans le bureau de la directrice. Et là, elle a fait, ah ouais. Bon, c'est peut-être faux, finalement. Et moi, j'ai rien eu, quoi. J'ai rien eu. On s'est expliqué. Et tout est bien qui a fini bien. Merde, j'ai fait de la merde là par contre. Ah ouais, vraiment. D'accord, non? Ah mais je te jure. Hein. Je te jure, je te jure. Et du coup, je pense que là, j'ai tout bien mis correctement. C'est comme ça. Merde. Donc j'étais victime d'harcèlement, mais c'est moi qui me fait engueuler parce que j'aurais harcelé quelqu'un. Logique. Je me fais harceler. J'harcèle quelqu'un. Logique. Très très logique. Mais bref, admettons pourquoi pas après tout. Ouais, voilà, vous voulez se venger. Et vous voulez se venger. Non, non, je suis seul. Je suis seul. Hop.
Sur il y a quoi comme anecdote rigolote? Ah, j'ai pas des anecdotes v'là rigolotes en vrai. Hein. Hop. Ah ouais, carrément. Ah putain. Eh bah dis donc. Ça fait un speedrun exclusion 90%. Incroyable ça, incroyable. Alors si il y a quelque chose qui était bien avec mon collège du coup, c'est parce que moi j'avais un truc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les Ulysse. Grosso modo, c'est des élèves qui ont des petits problèmes de santé. Ils ont un handicap en fait. Et moi j'étais considéré comme un élève qui avait des handicaps. Oui, parce que moi, je suis asthmatique et je suis hyper sensible à la douleur. Donc hyper sensible à la douleur, c'est un petit peu handicapant. Aujourd'hui moi, mais à l'époque ouais. J'étais vraiment hyper sensible à la douleur. Et donc du coup j'étais catégorisé comme élève handicapé, on va dire c'est comme ça. Et ce qui était ultra sympa, c'est qu'il y avait du sport spécialement pour les élèves avec un... Hop. Non, faut que je fasse les pieds. En situation de handicap. Et donc, j'ai fait du handi basket. J'ai fait du basket en fauteuil roulant. Voilà, c'est rigolo. Et j'ai fait un spectacle. Parce que du coup, il y avait cirque comme option en sport au collège. Et j'avais un spectacle avec les élèves, on va dire normaux. Et j'avais un spectacle aussi avec les élèves hop, considérés comme handicapés. Donc hop. Et du coup, c'était marrant. Voilà, c'était vachement rigolo. Un petit spectacle en fauteuil roulant. Dans une petite salle de cours, dans un autre collège. Sous la tente, il faisait au moins 40 degrés. On avait chaud de ouf. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Moi, je fais plus d'études. J'en fais plus. Le record de mots de collège en trimestre. Eh ben putain, la vache. Incroyable, le type. Incroyable. HPI. Ouais, voilà, c'est... Ouais, d'accord, je sais quoi. Asthmatique, ouais, je suis asthmatique aussi. Mais voilà, voilà. Hop, hop. Aujourd'hui, c'est moi, mais par exemple, là, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes, zombie. Et en fait, je peux pas marcher longtemps, je peux pas écrire longtemps, je peux pas faire trop de trucs longtemps, en fait. Parce que sinon, j'ai mal, en fait. Tout simplement. C'est con, mais... J'ai mal. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, du coup, j'ai pas fait d'études, mais j'en ai fait. J'étais à la fac pendant 4 ans. J'ai fait des licences cinématographiques et licences art du spectacle. Oh, j'ai encore plus de verre. Hop, donc tout ce qui est du en rapport avec l'art. Grosso merdo, je connais. Ah merde, j'ai pas mis les lettres. Alors, vite, on va vite s'envoler parce que sinon, il y a un creeper qui va me péter la gueule. Eh ben dis donc. Non, c'est incroyable ça. Ah, ça devait être un phénomène, hein, parce que moi aussi chez moi j'avais quelqu'un qui prenait un nombre record de mots. Mais putain, qu'est-ce qui était casse-couille. Franchement, manquer autant de respect aux profs comme ça, ça rendait fou. 175 mots. Eh ben, 68 heures de colle. Putain, la vache. Ah, c'est un bon. La vache. Du coup, ouais, chercher de la vitre. Je vais pas en avoir assez, moi, du coup, en fait. J'ai récolté, je sais pas combien de stacks, mais finalement... Finalement, ça va pas suffire. Faisait quoi comme dinguerie, genre il venait en cours et puis il lisait le règlement à voix haute pendant que la prof elle faisait cours.
Des trucs comme ça, traiter le prof de vieux chauve. Oh, laisse tomber, c'était un cas ce type. Hein. Oh, c'était un cas. 23. Il est toujours pas viré, lâche. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Ah ouais, bah d'accord. Bon, bah, va falloir que j'aille repéter une petite plage. C'est parti, on va péter des plages. Alors, un peu loin de la base quand même, j'aimerais bien un peu les préserver. Ah bah nickel, il y a un petit truc de sable là. Splendide. Hop. On va faire un autre petit stack, tranquillou, tranquillou. Voilà, je pense que là, ça suffira, non? Ah, tu sais quoi, vas-y. Je reprends quand même. Vaut mieux trop que pas assez. Hop. J'étais presque. En plus, c'était pas là que je devais aller. J'ai tellement l'habitude d'aller là, mais non, c'est au-dessus. Voilà. Ici même. Alors, paf. Là, tiens, prends-toi ça dans la tronche. Et des autres stacks, c'est pour les deux fours qui sont là-bas. Splendide. Nickel. Bon, y a plus qu'à attendre que ça cuit. Hein. Quand on te voit. Quoi comme anecdote aussi. Moi j'ai des anecdotes, c'est par rapport à la Samanga. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis bénévole à des conventions manga. Une convention manga qui est dans le nord, qui s'appelle Samanga, du coup, dans la ville de Salle-Noble. Tous les premiers week-ends de septembre, il y a une convention là-bas. Et donc, du coup, bah, il y a des invités. Hein. Il y a des invités prestigieux. C'est la 10e édition. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai parlé et accueilli Donald Renew. Rien que ça. Voilà. C'est pour vous dire, j'ai parlé à Donald Renew comme si c'était mon pote. Il y avait aussi... Après, il y avait aussi des guests absolument incroyables comme... Il y avait non, il n'y a pas il y a Sky Rose, un youtubeur qui fait des vidéos qui a fait le jumper là. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai flippé sa mère. Sachez-le, j'ai flippé. Il y avait Varobaz. Non, Varobaz il est pas venu. Cashbot Cartoon Trash, ça c'était la première fois. J'étais à Samanga, j'étais pas en bénévole. Après il y avait les voix officielles de Dragon Ball. Il y avait la voix officielle de Piccolo, je crois. Bref, il y avait vraiment des stars là-bas. Samuel est plus qu'un phénomène. Je vois ça, la vache. Incroyable, hein? Et donc, ouais, il m'arrivait de discuter, de parler de tout et de rien avec des personnalités incroyables. Par exemple, vous connaissez le Tech Maker ou pas? Vous connaissez sans doute le Tech Maker. Bah, il était invité à la Samanga l'année dernière. Ouais, donc du coup, dans la Renew, c'était il y a 2 ans. Où j'ai pu discuter un peu avec le Tech Maker. C'est rigolo. Et de toute façon, chaque année, je suis bénévole là-bas, donc... Voilà, Overspace. Exactement. Voilà, c'est Overspace. Merci. C'était lui. Bien vu, bien vu. Donc, du coup, le seul moyen de me voir, c'est d'aller à la Samanga. Il n'y a pas encore de date pour la 10e édition, mais j'y serai en tant que. Je serai toujours en tant que bénévole là-bas. Donc bon.
Cancer, mais mes bénévoles. Mais non, j'ai pas le cancer, moi. Oh. Je suis hypersensible à la douleur. C'est grâce à ça que je renforce mon corps. C'est parce qu'il faut faire du sport. Parce que plus tu fais du sport, plus tes membres gèrent mieux le fait de rester debout, le fait de marcher longtemps, le fait de courir, bref, etc. Et plus ça va mieux. Donc ça va, je gère. Ok, à la fin, je suis en train de souffrir le martyr à la fin de la journée. Mais au moins, moi j'ai passé un excellent moment. Surtout que depuis quelque temps, on a une tradition en fait. Depuis quelque temps, on a une tradition. C'est de danser slash chanter à la fin de la samanga chaque fois. Et la première année où on a fait ça, j'ai été pris en traître. Je me suis fait piéger. Je vous explique. On a une invitée régulière, je sais pas si ce sera la cette année, je pense pas. Elle s'appelait Dina. Et en fait, c'est la vice-championne du monde et triple ou double championne de France de Just Dance. Voilà, rien que ça, tu vois. Et c'est quelqu'un de très très sympa. Et à la fin, elle fait un petit show spécialisé. Et comme par hasard, moi j'étais à côté, j'étais devant la scène en train de regarder. Et là, elle lance une petite idée. C'était d'inviter les bénévoles à danser sur scène. Du coup, moi je voulais pas parce que je sais pas danser, je sais pas jouer à Just Dance, je sais pas. Pas du tout. Et du coup, au moment de partir, il y a Tina, ou je sais plus qui vient et qui me prend le bras et qui me dit « Allez, tu viens, tu montes sur scène et tout !» Et donc, du coup, j'ai monté sur scène pour danser. Et voilà. Donc, j'ai été pris, je suis tombé dans un piège de la part d'une vice-championne et triple championne de France de Just Dance. Voilà. C'est pas rien. C'est quelque chose. Ah, vraiment, c'était des trucs de fou. Hein. On dirait Serge Le Mito qui raconte ses anecdotes, mais je vous jure, c'est vrai. Bon, bref. Hop. Ah, c'est vraiment pas mal. Je sais pas quel invité on va avoir cette année, mais ça peut être que du bonus, enfin que du bonheur. Parce que vraiment, je kiffe chaque année depuis 2018, hein, du coup. Plus on discute avec les exposants. Voilà, il y a des trucs de fou. Des exposants, ils font des trucs de fou. Et là, tu rencontres Cuisy. Bon, je pense qu'il va coûter cher. Hein. Je pense qu'il coûte très trop cher même. Hop, voilà, je sais pas si ça sera suffisant. Bon, normalement, oui, j'espère quand même, au bout d'un moment donné. Il y avait aussi la fois où... Ah, j'étais jeune, j'étais hyper timide et tout. Incroyable, j'avais vu un film, oh là là, un film coréen, au festival de Valenciennes. Merci, merci le collège pour ça, lol. Non, c'était le lycée. Je sais plus si c'était au collège ou au lycée. Je sais plus. Bref. Un film coréen. L'histoire, c'est basé sur un fait réel. C'est un coréen qui... Un coréen, voilà. Un coréen qui va dans un tunnel. Et sauf que le tunnel, il s'effondre et il reste bloqué à l'intérieur pendant 30 jours. Et le film nous raconte comment le type, il a survécu, en fait. Et
Et c'était une avant-première, donc il y avait une salle gigantesque. Une salle gigantesque. Un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Et j'ai réussi à prendre la parole pour dire au mec que j'adorais son film. Pendant quelques instants, il y a au moins des milliers de personnes qui m'ont écouté. C'était vraiment une épreuve pour moi. À l'époque, waouh, la vache. Je sais plus, mais je crois que c'était un truc du style tunnel. Je crois que c'est tunnel. Festival de Valence. Je sais plus, ça date il y a plusieurs années, mais. Je crois que c'était la 21e édition de mémoire. Du festival de Valenciennes. Mais je crois que c'est tunnel de mémoire. Franchement, c'était super bien comme film. Je vais check vite fait. Ah, c'est celui-là. Oh oui. 2016. Il dure 2 heures. 6,8 sur 10. Bah, sens critique, c'est de la merde, voilà. Parce que, ouais, il m'avait marqué ce film, hein, vraiment. Mais je suis sûr que c'est celui-là. 2016, ouais, c'est possible. Parce qu'en plus, j'ai des souvenirs Facebook qui m'ont rappelé ça il y a pas longtemps. Je vais mettre le lien. Ah, merde. Bon, il est trop grand le lien. Bon, c'est pas grave. Tu marques tunnel film coréen. Et là, tu verras un film de 2016. Normalement. C'est celui-là. Yes. Ah ouais? Mais non. Incroyable ça. Alors ça. Belle anecdote. Par contre, trip, hein, il n'y a plus personne. Triste. Oh, moi j'ai pas regardé, enfin je regarde plus 12 comédies maintenant, mais c'est incroyable. Faut réussir à passer là-bas. Je suis l'original. De fou, de fou. Merde. Après on est lundi donc c'est normal. Hein. Lundi c'est pas vraiment un jour pour le stream. Et normalement je devais pas stream aujourd'hui, mais vu que je live pas jeudi et vendredi, bah je compense en fait. Je sais pas pourquoi ça marque un spectateur alors que techniquement ça devrait me compter moi-même comme spectateur, donc normalement on devrait être deux. Parce que du coup que je regarde par téléphone, ça me compte comme spectateur en fait. Donc c'est. Je sais pas, c'est YouTube, hein, c'est peut-être. Pas trop confiance à YouTube pour le nombre de spectres, je t'avouerai. Hop. Tac tac. Je suis un peu paumé là, je fais un peu de la douille. Alors, il reste combien d'étages? Ah bah c'est le dernier. Super. Ben, stylé, hein. Incroyable. Dernier stack. Ah non, ça va. Bon, ça va, on a largement assez de verre, c'est cool. J'ai plus besoin de faire d'aller-retour.
Hop, après, il n'y aura plus que les trappes d'or à mettre. Et le plafond aussi à faire, bien évidemment. Et on pourra enfin dire qu'on a fini cette ferme. Eh oui! Hop. C'est splendide. On va pouvoir explorer un petit peu ce qu'il y a là-bas, là, parce que je suis vraiment intrigué. On a vu plusieurs minerais de diamants tout à l'heure. Et crois-moi, je vais pas me priver de les ramasser. Voilà, splendide. Tac, le dernier étage. Hop. Alors là, normalement, je devrais pas devoir casser. Nickel. Bah normal, normal. Tu m'étonnes. J'aurais avané aussi, moi personnellement. De manière gentille, bien évidemment. Hop, faut pas que j'oublie aussi de mettre le dispenser quand même. Hein. Et l'observeur, du coup, les derniers. Et ouais, il est où mon... Ah! Il est où mon dispenser? On manque un. Oh. Fichtre. Il est où mon dernier dispenser? C'est pas possible ça. Est-ce qu'il est tombé ici? Ah, c'est un truc de fou ça. Je peux pas dire qu'il manque un dispenser. Je les craft pourtant. Je les craft mon dispenseur. Oh, c'est pas possible. Tant pis, c'est pas grave. Ah ouais. Tant que ça. Ah mais cassez-vous vous. Je reçois plein de notices, c'est chiant. Ah ouais. Ah bah d'accord. Bah GG. Alors du coup j'ai ça. Oh, je sais vraiment pas ce que j'en ai fait de mes dispensers. Aïe. Ah oui, bah ça. Bah si t'étais malade là. Bon, c'est pas grave, on va refaire tout ça. Je sais même si je suis certain que la cobblestone je l'ai pas remis. Et que par conséquent elle est là-bas. Évidemment. Attends, j'ai quoi dans mon essai déjà? Oh, j'ai des flèches. Je sais même pas pourquoi j'ai des flèches, mais... Hop. Il va falloir aussi que je me refasse niveau bouffe. Bon, j'ai la redstone, j'ai l'arc. Hop. On peut que la cobblestone, et puis c'est bon. Je te crois, t'inquiète. Je te crois, je te crois. Bah, si t'étais malade, effectivement, ça peut expliquer des choses. Ça marche, y'a pas de problème, merci beaucoup. Merci, bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Et merci de nous avoir supportés. Nous et nos histoires.
Ah, bizarre, bref. Bon, désolé, mon ref, mais j'ai pas de bois pour une table de craft. Donc, hop, tu vas me donner une bûche. Vite fait. Voilà. NDR. Du coup, il va me falloir de la stone. Il va me falloir de la... les derniers outils en redstone. Donc, hop. Chercher tout ça. Ça, ça. 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 Et après, ça sera que... Attends, est-ce que j'arrête ça? Ouais, nickel. Ce sera que des demi-dolls. J'ai plus de stun? Bon, en même temps, là, j'arrive vraiment à la fin, donc c'est un petit peu normal. Au pire, j'utiliserai des demi-dolls, c'est pas si grave que ça. Hop. Bien. Ah bah non. Non, non, là c'est bon. Hop. Ok, splendide, nickel. Ah, t'as vu ça? Incroyable, hein? Voilà, splendide. Allez. Du coup, il va falloir quand même que je mette... Que je mette ça. Paf. Et là, le dispenser. Et attention, le système de redstone, il faut que je le fasse plus tard. Donc... Il faut que je le fasse plus tard. Forcément. Sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Donc là, je mets le petit truc de redstone. Tac, tac. Hop. De toute façon, là, c'est même pas comme ça que je devrais faire, mais. Comme ça. Vas-y, vas-y. Hop. Et je sais plus si le vide, je le mets contre le rip. Ouais. Voilà, je vais tout mettre à 4. Splendide. Il n'y a plus qu'à aller chercher les Dalmi. Yon. Bah re-salut. Hop. On va faire le plafond final. Lol. Ça va rester beaucoup de slabs.
Voilà. Quoi? Ah! Stylé, merci. Merci, merci. Hop, voilà. Bon, ça va, il n'y a pas grand-chose à remplir, là. Là, on est tranquille. Après, il faudra juste mettre les trapdoors. Les trapdoors et les seaux d'eau. Et on sera bon! Et ça, c'est carré. La quadriferme à creeper sera terminée. Et on pourra passer à autre chose. Comme faire un petit peu minage. Juste du minage, de l'exploration. C'est bien, c'est cool de temps en temps. Salut Sibyl, j'espère que tu vas bien. Alors, hop, je vais dégager tous les waypoints parce que ça me fait chier. Voilà. Oui, effectivement. Tout à fait, tout à fait. On l'a fini même. Là, j'ai fini de construire le quatrième étage. Je suis en train de faire le toit. Il n'y a plus qu'à mettre les trappes d'or et les seaux d'eau. Et ça sera terminé. On sera carré là-dessus. Après, on se fera une petite séance de minage de famille. Jusqu'à la fin du stream, parce que le minage, ça me manque. En même temps, on verra bien combien de lingots de fer ma ferme a produite. Bon, elle a pas dû produire énormément, mais bon. Après, avec tout le fer qu'on a, c'est pas si grave. Ça marche. Ça marche. Ouais, c'est l'ancien. C'est l'ancien dans le chat. L'ancien. Salut le bon, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Bah, si tu vas bien, tant mieux. Moi, je suis juste crevé, mais ok. C'est pas grave. Oh, j'ai plus de... Ah oui, j'allais dire. Ah vraiment, en tant que demi-dalle, bon, en tant que dalle, bah, je suis en train de faire de sacrées économies, forcément, vu que toutes les fermes sont collées entre elles. Mieux qu'hier, ah bah tant mieux alors. J'ai envie d'être chiant, comment ça? Tu as juste plus de cailloux. Non, si, c'est bon. J'ai de la caillou. Il va le faire à tout le monde, ça y est. Il va le faire à tout le monde. Et voilà, quatrième ferme à faire. Quasi terminé. Hein. Quasi. Il reste plus qu'à mettre les petites trappes d'or qui vont bien. Et puis voilà. Et aussi les seaux d'eau, forcément. Alors, au niveau des seaux d'eau, combien on en a? Parce que je crois que là, on en a pas non plus des masses. Ah, si! Si, ça va en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, on a juste 11. Juste assez. Juste assez, tout est bon dans le cochon. Hop, allez, c'est parti. Après, les petites trappes d'or, je crois que là, il y en a, non? Là, il y en a. Hop. Et comme ça, on verra bien si j'ai fait trop de trappes d'or ou pas. La question reste à son comble.
Aïe. Putain, je me suis foiré le con. En chantier, moi je m'appelle Teuz. Bah en fait c'est un viewer qui est là depuis plus d'un an, voire 2 ans quasiment. Il est là depuis que j'ai environ 630 abonnés, un truc comme ça, donc il date. C'est pour ça que je dis que c'est le vieux de la vieille. Enfin, c'est le vieux de la veille. Oh, je sais pas comment je dis. Je crois que c'est le vieux de la veille. Le vieux de la veille, parce que le vieux de la vieille, ça veut rien dire. Hop. Oh, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Après, le plus important, c'est que vous soyez toujours présent. C'est vraiment ça le plus important. Parce que c'est ce qui me motive à continuer à faire des lives. Et ça m'aide aussi énormément. Pour les heures de visionnage, j'en ai déjà parlé. Hop, petit saut d'eau. Ah, je l'ai déjà mis. Vingt-trois heures par là. Hop. Le fossile. ouais, je l'ai mis. Je l'ai mis. Ouais, c'est ça, d'environ 1 heure. Après, je peux un peu déborder, mais ça dépendra s'il restera des gens ou pas. Vu qu'on est lundi, c'est un peu compliqué, vu que le lendemain, il y a cours. Vu que c'est la première semaine. En plus, moi aussi, j'ai un rendez-vous demain matin. J'ai 1 heure de conduite demain matin de 11h à 12h. Donc, faut que je fasse gaffe aussi à ça. C'est vrai que j'avais complètement oublié. Ah, bref. Faut que je me repose, lol. Hop. Voilà, saut d'eau. Allez, petit saut d'eau. Non, non, pas ça. Hop. Moi, du coup, je sais pas si tu sais mon âge, mais je dis au cas où, j'en ai 23. Ha. Ouais, c'est vrai que ça aurait été un petit peu trop. Ça aurait été une arnaque de pas te mettre, effectivement. Ça marche. Hop. Oui, tu es resté jusqu'au bout. Effectivement. Merci beaucoup, hein, d'ailleurs. Ça fait vraiment plaisir, hein, que vous restiez, en fait. Ça me fait vraiment plaisir. Yes. Ah, minerai d'émeraude, vu que tu es là depuis longtemps. Et plus tard, dans le futur, quand il y aura la monétisation, je vais créer une maison spéciale pour les donateurs. Bien sûr, bien sûr. Et je sais pas ce que je donnerai comme item. Je crois que ce sera un totem. Parce que diamant, j'en aurais pas des masses. Donc je pense qu'un totem of undying comme item, ce serait sympathique. Bon, on verra bien. Je ferai des paliers de toute façon. Je ferai des sortes de paliers. On verra bien comment ça marche. Pour l'instant, j'en suis pas du tout là. Yes, je me rappelle. Je me rappelle. Prochain palier. Le bloc d'émeraude.
Oh, il n'y a pas vraiment de signification pour le bloc d'émeraude, j'avoue. J'ai pas cherché à savoir pourquoi je mettrais un bloc d'émeraude. Hop. Oui, bien sûr. Mais je pense que Totem of Undying, c'est bien. Après, je verrais bien en fonction des paliers, tu vois. Parce que avec les paliers, je peux m'amuser. Mais ça sera pour bien plus tard. J'ai encore le temps de savoir ce que je pourrais mettre comme item. En fonction des paliers. Bah oui, tiens, hop. Non. Non, non, non. Justement, je fais ça après avoir fait la ferme. J'ai une grotte explorée là. Il a l'air d'avoir du diamant. Donc je fais ça après. Il reste encore 1, 2, 3, 4. Il reste 6 étages à faire. Et je fais ça après. Hop. Ah oui. Ouais, en vrai c'est bien. Enfin j'aime bien le concept de d'aller tout droit comme un connard et puis de... C'est vrai que c'est sympathique. Mais le problème c'est que bon, on s'ennuie. Après peut-être qu'avec plus de monde ça pourrait être intéressant. Mais vu que tu fais qu'avancer tout droit... Ouais, mais ça va aller vite. Ouais, d'ici 20 minutes, c'est terminé, quoi. Ceci, je prends tout mon temps. Là, il y a ça. Je pense que ici, j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout mis. Hop. Splendide. Heureux. Ah, félicitations, félicitations. Tu les as admirés longtemps quand même. Ah, oh, je taquine, je taquine. Juge à toi. Mourir de faim. Ouais. Ou mourir. Ouais, c'est vrai que je suis mort deux fois. Je suis mort plusieurs fois dans les Farlands. Ouais. Le seum un peu. Ah d'accord. C'est vrai que du coup mon short il est sorti. J'ai pas mis de short sur TikTok. Ah j'ai oublié de mettre de. J'oublie à chaque fois de mettre mes shorts sur TikTok. C'est un peu chiant. Bon c'est pas grave, tant pis. Ah j'y ai pas du tout pensé aujourd'hui. À mettre un short sur TikTok. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Donc, hop, il reste 3 étages, hein, tu vois, ça va vite. Hein. Effectivement. Il a duré 1 minute le combat. 1 minute, c'était de l'arnaque. De l'arnaque! Ouais, si tu veux. Ah, j'ai si, trappe d'or. J'ai vraiment hâte de faire cette grotte parce qu'elle a l'air d'être plutôt pas mal. On a vu quelques minerais de diamants. J'ai vraiment hâte de la faire.
Ah, ça veut flex, hein. Ça veut flex. Ah, oh, comment ça flex. Eh ben, ce serait incroyable, hein. Ce serait un truc de fou. Bon, il reste peut-être un peu plus que 3 étages. J'ai peut-être menti. Mais ça va vite à faire. Ouais, ouais, dans mon monde, il y a... Il y a Xyros Minimap, du coup. Il y a... Mousetwix. Genre ça, je peux faire ça, du coup. C'est bien, ça. Il y a Lightmatica, Replay Mode. En fait, c'est que des modes Quality of Life. Donc bon. C'est pas des modes du style Iron Chest, Iron Furnace ou des trucs comme ça. Hop. Oui, après il y a les data packs. Il y a les data packs Veilminer pour les minerais, pour les arbres. Hop. Après, oui, il y a le mode d'adhésion si tu gagnes l'adhésion, bien sûr. Après, il y a un data pack forcément pour le nombre de jours pour que vous voyez en temps réel. Toujours intéressant de savoir ça. Hop. Après, il y a quoi comme data pack? Ouais, il y a le data pack de Vanyatwix, les têtes de mob. Pour que. Un data pack pour que les feuilles s'enlèvent rapidement. Etc. etc. Ah non, ça c'est jamais ça. Ça arrivera jamais, ça, le minimum. Road to 10 000 avant. 10K. 10K avant 2025. Jure que si on arrive à faire 10 000 abonnés avant 2025, je fais une cover. C'est bon? Voilà. Notez-le bien. 10 000 abonnés avant 2025 et je fais une cover. Ouais, mais mes shorts, ils bident. Tous mes shorts bident, gros. Tous mes shorts bident. C'est une horreur. Mais ouais, enfin... Tu comprends, quoi. C'est pas mal. Pourquoi tu choisis ce nom-là? Pour ma chaîne? Bah déjà, je sais que pour ma chaîne, il fallait un nom court. Un nom court et facile à retenir. Donc je voulais au moins un nom qui un pseudo qui fasse maximum 5 lettres. Ouais, je crois. Enfin, 5-6 lettres par là, mais pas plus. Et du coup, il y a le mot fail. Fail parce que, bien évidemment, je suis nul. Voilà, par exemple, le mot fail. Pourquoi? Bah pour ça, voilà. Hop. Non, plus précisément, c'est parce que j'étais un joueur PVP à l'époque. Et je tombais... Enfin, je faisais que beaucoup de rush. Je tryhard en rush. Et bah, je tombais tout le temps dans les trous. Donc du coup, je disais que je me fail souvent. Et le TYN, tout simplement parce que je recherchais une combinaison de lettres qui sonnait bien à l'oreille. Et en fouillant, bah, j'ai cherché ça. Voilà. J'ai trouvé ça. Et donc, Teen Veil. C'est... Ouais. Tout simplement. non, là, il n'y a pas de trapdoor. Bon, c'est pas grave, on s'en tape. C'est possible. Ah, ça, je sais pas. enfin, le million, je pense pas. 10 000 avant 2025, j'y crois pas. Mais vas-y. On va dire qu'il y a une chance. Une petite chance. Hop. Je vais faire 9 000 comptes. incroyable, incroyable. Pour avec x2 avec la moula. Exactement, t'as tout compris.
capté mon gâté. Eh ben dis donc, un foulard en terre de trador, ça suffit. Incroyable, hein. Ouais, non, GG, hein. GG, GG. Truc de fou. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour toi. Ah oui, je me disais bien que j'avais pas tout fait. C'est pas rien qu'on apprend à faire la grimace. Voilà. Attends, mais là, t'es sûr qu'il y a tout, là, parce que... Attends. Oui. Là, c'est un bloc entier, là, qu'il faut mettre. Voilà. J'ai pas d'autre... Ah, fichtre. Parce que j'aurais pas de... J'ai une pierre ici. Voilà. C'est pas pareil, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je regarde ensuite un peu. Et ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être bon, là. Ah, mais c'est bon. Ok. Bah, c'est carré. C'est carré dans l'axe. On a tout mis. Et donc, il n'y a plus qu'à venir ici. À faire ça. Donc, je pense que c'est bon. Ouais, team fail... Attends. Bah, tu fais... point d'exclamation TikTok. Il y a toutes les commandes dans le chat. Toutes les commandes sont dans le chat. Dans la description, pardon. Merci, merci. C'est sympathique. Ah, je viens de le faire justement. C'est quoi un cover? Ah, je l'ai pas vu. Cover, c'est une reprise de musique. C'est la fin que je viens de faire ça? Non. Eh ben, splendide. Voilà, toutes les fermes sont faites. Let's go. Nickel, hein? Ah. Quoi, il y a un squelette? D'accord. Étrange d'avoir un squelette, mais bon, admettons. International. Ah, oui. C'est rigolo. Encore la facecam. En vrai, la facecam, c'est quand j'aurai des lumières. Quand j'aurai des lumières, ce sera intéressant de faire des lives en facecam. Mais j'ai pas de... J'ai pas lumière là pour l'instant. Donc j'en ferai pas. C'est une fail à l'international. Ouais, c'est marrant. Yes, c'est terminé. C'est terminé du coup. Donc voilà à quoi ça ressemble. Quatre petits tours, ma foi, muy caliente. Hop. Il y a un zombie à l'intérieur. Bonjour. Là, ah, j'ai mis une trappe d'or ici. Là, vous voyez. Hop. Je mets ça, il n'y a plus de zombies qui spawn. Et là aussi, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié quelques trappes d'or, hein, par-ci, par-là. C'est pas bien, ça. De toute façon, je pense que là, c'est bon. Je pense qu'il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de problème, là. Ah, il y a une araignée ici. Ah, mais ouais, mais ça, c'est normal. Ces araignées qui étaient en bas, ça. Ah. Crevé. J'avais pas mis ça. J'ai pas mon totem dans la main. Faut que je fasse gaffe. On va faire du diamant. Exactement. Yo, salut. En direct de l'aéroport. Signe du destin, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hop, je vais se ranger tout ça. Ranger mes shulker box quand même. Mais bah, bien sûr, évidemment. Tac, 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 tac. Non, ça, c'est mon arc. Ça, je m'en tape. Ça, c'est ma bouffe. Hop, splendide. Et ma base, on va aller par le portage laser, vu que j'ai plus de fusée. Bah, peut-être. Hein. Si je le deviens, ouais. Sans doute.
Hop, on va se faire de la bouffe aussi, vu que j'en ai plus là. J'en ai que 8. Oh, les shulkers, je vais les vider plus tard. J'avoue que là, j'ai un peu la flemme, et surtout que. Bah, il est déjà 22h. Ça passe vite, hein, même si je commence à 8h, ça passe quand même vite. Donc, hop, je prends une shulker vide. Faut que je prenne le shulker où il y a des émeraudes. Putain. Voilà. Hop, le petit shulker. Les trois totems of undying, bien évidemment. Tac. Ma pelle, elle est là. Super splendide. J'ai des pages. Gunpowder, gunpowder. J'ai fait un coffre normalement. Parfait. Paf. Allez, nickel. Comme ça, niveau fusée, on est bon. Allez. Maintenant, la bouffe. Peut-être. Et du coup, ça fait un petit temps que j'ai pas vu, que je l'ai pas vu elle. Oh, donnez-moi de la bouffe. Faudrait aussi faire un petit live pour monter tous les fermiers, tous les villageois, ce serait sympathique. J'avoue, les traits de j'en bouffe avec l'écriture, j'en peux plus. Voilà, merci. Ouais, ça va, c'est calme. C'est calme. Let's go. On y va. Petite grotte explorée. Ouais, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, si jamais vous voulez discuter entre vous. Comment ça, c'est une blague? Mais du coup, t'es pas au courant, mon Discord il est accessible, hein. Tu fais point d'exclamation Discord et puis t'as mon Discord. Hein. Puis c'est vrai que du coup, il y a mon vrai compte qui est là-dessus, mais c'est pas grave, c'est un autre détail. Par contre, le trou par lequel je suis remonté, ben, j'en sais rien. Donc on va descendre comme un teubé. Ah putain, j'en sais rien du tout. Bah moi je pense, si tu peux aller devant le HEC et l'envoyer à Kevin, t'envoies un petit screen en mode salut mon pote. Ah oui mais non, il est allé à Singapour du coup. Ah ça marche plus ça. Mince, dommage. Non, tranquille. Tranquille, t'inquiète. C'est vrai que je devrais le faire. Je le ferai, je le ferai. Alors, c'était par où les diamants du coup? Je sais pas. Ah bah c'était par là, regardez. Hop, ça c'est la route. Oh, il y a du monde là. Oh, y a plein de gems, là, regardez, là. Non, ça c'est une plante. Bonjour. Ouais, c'est une belle grotte. Hein. Ouais, mais le truc qui est plutôt rare, c'est que le bateau, il est parfaitement conservé. Alors que d'habitude, c'est des bouts de bateau qui manquent, donc... Ah ouais, il est vraiment parti à Singapour, truc de ouf. On sait jamais qu'il y arriverait, mais. Un zombie Gucci! Un zombie Gucci!
Trop de squelettes par contre ici. Oh, il y a un spawner squelette. Oh lolo. Oh lolo lolo. Oh lolo, un spawner à squelette. Oh, c'est beau ça. Alors ça, pour la bonne mille, délicieux. Incroyable. Allez, c'est bon. Hop, merci beaucoup. Alors ça, mon pote. Incroyable. Masterclass. Du coup, les... alors, oui, j'ai déjà lu ça. Non, mais vraiment, les... Ouais. Je suis à l'aise, c'est... Ah, bah là, carrément. Et toi, Gianca, là. J'ai été à l'aise, hein. 2 heures... Oh, putain. Ouais, c'est un peu loin. J'avoue, je sais pas trop. C'est hormis la Belgique, j'ai jamais voyagé. Donc bon. Hop. Oh, bonjour. Alors, on va juste boucher un peu. Ouais, non mais. Alors. Quoi? T'as voulu faire une blague avec son pseudo ou? En plus, c'est l'aéroport. Yes. Il... Tout à fait. C'est vrai, du coup, j'ai plus de pseudo. Là, j'aurais peut-être dû prendre un pseudo. C'est pas grave, tant pis. Hop. Je m'en fous de vous. Maintenant, j'ai besoin de vous chasser. Je viens de faire ma creeper. Wouhou. Trop bien. Je suis indépendant maintenant. Je m'en doutais, c'est un jeu de mots, je m'en doutais. Incroyable. Oh, diamant aussi. Oh putain, il y a du diamant partout. Oh, c'est un truc de zinzin, vraiment. Alors. Je suis bourré. Voilà, merci. Ça marche, à dans 39h, enfin. Du coup, demain... Attends, demain, je live. Je sais pas si demain, je live. Faut que je regarde mon emploi du temps. Je me fixe des horaires. Je m'en sais même pas. Hop. Splendide. Du coup, ça fait... Eh, ça fait déjà 20 minerais de diamants. Ouais, de fou, je suis jaloux de fou. Merci, merci. Je vais dormir grâce à ça. Je vais dormir avec la reconnaissance. Merci. Oh là, oh. Oh, les filons de zinzin que je me tape. Bonjour. Mmh. Oh, un squelette Gucci. Let's go. Mais c'est... Oh, bah... Mais c'est un truc de fou, ça. Un spawner à zombie. Bon, je m'en tape du spawner à zombie, mais... J'ai déjà une farm XP, mais... Dans notre quête de faire une farm à tout et n'importe quoi. Bah, je vais garder ça, précieusement. Stylé. Hop. Incroyable. Alors, avec Chen. Oh, je m'en tape de ça. Tu hack réel. C'est un. Oh. Pas grave, y'a pas de problème. Y'a pas de souci, t'en fais pas. Tant que tu le laisses pas. Après, je sais pas si vraiment les pouces rouges et les pouces bleus, ça aide au référent. Bah, pouces bleus, oui, mais pouces rouges, je sais pas si ça. Ça te défonce du référencement ou pas, je sais pas. Je crois pas, mais bon. Ouais, qu'est-ce qu'ils veulent? Merci. Fut un temps, mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, c'était cette montée dans la glory hunt, mais aujourd'hui, j'en ai aucune foutre idée.
Merci pour les likes, merci, merci. Hop, 30. Bon, là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un stack de minerais. Un stack de minerais de diamants, laisse. Ce serait, ma foi, toute sympathique. Alors. Ah, là, je fais un... Ouais, je fais un... Ah ! Oh, il était bien caché, lui. Salut, mon pote. Bien ou quoi ? T'habites en quoi ou quoi ? Je te croise dans la rue et je dirai pas la suite. Youhou, la lave. Ah, le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille. Souvenez-vous-en. Un creeper s'explose. Oh ouais, encore un filon de zinzin. La redstone, je vais prendre aussi vu que j'en ai pas beaucoup. Donc tant qu'à faire. Ok, bah si j'ai mis mardi, je live de 20h à 23h, bah, c'est que je vais live demain de 20h à 23h. Je vais être encore un peu crevé, mais YOLO, c'est pas grave, c'est la vie. Après tout, streamer, c'est cool. Donc voilà. Y a pas de problème. Hop, c'est juste qu'en fait, c'est compliqué vu que je mange. En fait, je mange vers 19h, 19h30. Et c'est un peu short, 8h. Donc, c'est juste ça. Mais c'est pas si grave. Si ça permet à certains d'entre vous de voir. De pouvoir profiter plus de mon live, et bien qu'il en soit ainsi. Mais du coup, il sait pas ton pote que tu es l'Astra, non? Oui, c'est que tu es Astra. Ah, ok, il le sait. Ce con. Ça veut dire qu'il le sait. Alors c'est vrai qu'au niveau redstone, il y en a énormément, même là, mais en même temps c'est normal, vu qu'on est dans les couches les plus profondes. Forcément c'est là où il y a le plus de redstone, mais je vais en profiter pour en prendre pas mal. Parce que la ferme à creeper, elle m'a bien bouffé mes réserves redstone. Ça, je peux vous le dire. Oh ouais, ça c'est des filons qui tuent ça. Oh, tous les creepers qu'il y a. Salut mon pote. Alors, oh, j'ai peut-être pas trop pour prendre tous les filons non plus. Je veux du diamants, du diamant à l'aise. Oh ouais, regarde-moi toute la redstone qu'il y a, c'est incroyable. Hein. Bon, c'est pas tous. Ouais, il y a oh, tous les mobs qu'il y a. Et regardez-moi ça, c'est un truc de zinzin. Faut que je m'en fasse quelque part, moi. Niveau 25. Voilà, merci. Alors, il y a quoi comme gros de sympathique là-dedans? Ah, là, j'ai déjà été. Là. Je me rappelle. Mais sinon, il y a... Il y a là, en vrai, ça peut être sympa d'aller là. Hop, j'ai créé des waypoints. Explo. Et je vais supprimer celui-là. Voilà. Ah, bonjour. Bah alors, on s'étouffe. Oh la vache. Alors ça, c'était vraiment pas mal. Ah, ils veulent tous ma peau, ouais, je te le fais pas dire. Ah ouais. Attends, je revive. Ah, parce que t'es pas Astra. Si t'es Astra. What? Ah d'accord. Pas mal. Pas mal, pas mal. Oh, Mineshaft. Oh, diamant. C'est mieux ça, diamant. Ah attends, mais attendez, mais là, il y a un autre truc là. Oh ouais. Oh ouais, 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 ouais. Ah. Bonjour. Astra, c'est un personnage dans Valorant.
GTA Jet. Ah, ok. Ah, ça c'est con ça. Ah, ça c'est con s'il est mort après son ult. Enfin, après l'avoir claqué. Ah oui, d'accord, ok. Je vois, je vois. Alors. Diamant juste là, je l'ai vu. Ça fait à peu près 50, hein, 50 minerais déjà. Aïe. Plutôt pas mal. Hein. Bonjour. Hop, encore un petit filon zinzin. 53 du coup. Ah non, 50. Oui, exactement. T'as tout compris. C'est exact. Oh, mais regarde. Oh, je crois que je suis tombé sur des galeries de fou là. Ouais, bon, pas là en tout cas. Hop là, tu m'auras pas. C'était par où? Je ne sais point. Aïe. Oh, c'était par là, ouais. Oh, bonjour mon pote. Oh, waouh. C'est quoi encore ces grottes de Madame Manteau là sur lesquelles je tombe là? Non, tranquille. Tu sais quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Bah en fait, c'est parce que je préfère garder mon armure pour être plus en sécurité, parce qu'on sait jamais. Et on... C'est surtout pour ça. Oh mais, oh, mais wesh, les gars. Ça, c'est du mineshaft qui pendu, là. La vache. Ah ouais, il y aura du diamant à peu près partout là. C'est sympathique. Mojang. L'argent, où est la thune? Putain, la thune. La thune. Là, il y a de quoi faire. Attends. Il est tombé comme une merde. Hop, je récupère les deux qui sont là. Pas de problème, je viens en bas. J'adore Father Falling. Sachez-le. Ah ouais, le James qui a. Bon, on va. Bah, c'est bon, un stack de minerai, facile. GG. Quand on va fortuner tout ça, ça va être incroyable. Ah ouais, non mais hey, ça continue là en plus. Ah, bonjour. Eh ben dis donc. Waouh. On est tombé sur un truc, les gars. Oh, comment c'est beau. Hein. Ah, les gars et les meufs aussi. Faut pas vous mettre de côté. Coucou. Et quelques... Ah, salut, Titan Colossal. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Alors, on est tombé sur un truc, hein. Plutôt fat. En plus, là, oh là 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 là. Mais regarde, il y a un filon là, il y a un filon. Mais ah, c'est quoi ce. Mais vraiment, moi, genre, ils sont abusés. Parce qu'ils ont rebalancé ça à la 1.1.4, justement, je crois. Ou 1.1.1, je sais plus. Les diamants. Mais c'est vraiment abusé. C'est. Waouh! C'est un truc de zinzin. Ouais, ça va bien, tranquille. L'anniversaire de qui? Ouais, moi j'ai plus cours, mais maintenant faut que je cherche un taf, quoi. Là, c'est différent.
Ah, niveau bouffe, c'est chaud. Casse-toi. Fossile. Mais... Il va le faire à tout le monde. Ah! Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Eh, beau cadeau d'anniversaire avec toi, Diongé. Très, très beau cadeau d'anniversaire, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est... Oh, et mais même le lac d'eau, il est énorme. J'ai jamais vu de lac d'eau aussi énorme que ça. Waouh. Surtout, c'est beaucoup plus facile du coup que de chercher. Oh, mais hé. Oh, mais si j'en étais tout. Bah, il y a du diamant là-bas. Je l'avais pas pris. Bonjour. Ça continue là-bas. C'est ça. Je vais jamais terminer. C'est un truc. Ah, bref. Je bégaye. Carrément. Oh, pas mal ça. Je l'avais jamais fait. Oh, il y a du James là-bas aussi. Ouais, carrément. Non, véritablement, mon anniversaire, c'est le 30 octobre. Donc, vous avez le temps. Vous avez clairement le temps. Oups. Salut Skyzer, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je vais aller là-bas quand même parce que je sais plus si j'étais par là-bas. Ah ouais. Ah ouais, encore. Et ça, c'est un truc de zinzin là. Je vais péter mon crâne. C'est trop grand. Hop. Oh, je te laisse répondre hein, du coup. J'arrivais à deux stacks de minerais. Hein. C'est fou. Donc là, du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, bon, petite séance de minage. Petite séance de minage tranquillement. Pour essayer d'avoir le bitcoin en diamant. Précédemment, j'ai fini la ferme à creeper. Voilà. J'en ai fait 4 de faire un creeper. Et ça, c'est cool pour avoir la gunpowder et donc avoir plus de fusées. Plus tard, il va falloir qu'on s'attaque à une ferme à canne à sucre, forcément. Et ensuite, ensuite on verra bien. On verra bien ce qu'on fait, parce que j'aimerais bien plancher sur une ferme à raid. Parce que j'adore cette ferme. Voilà, j'adore cette ferme, si elle est complexe à construire. Je la kiffe. J'adore l'argent. Voilà. J'ai pas d'autres explications. Bah, combien de temps? Je pense que ça fait bientôt 2 ans, je pense. 1 an ou 2 ans, je sais pas. Mais je me suis depuis 1600 abonnés, donc vraiment, ça fait... Ça date. Hein. Ça commence à bien dater, comme il faut. 6 mois, quand même, vous êtes... C'est le... Pas mal, celle-là. Pas mal, pas mal. L'argent, la thune, putain, la thune. Oh, le bitcoin en diamant là il va être beau. Hein. Je pense qu'il va être fait. Hein. Franchement, je pense qu'il va être fait avec tout ce que j'ai récolté. Parce que du coup, j'ai fortune 3. Faut que je fortune tout ça. Oh non, mais wesh. Surtout dans les gros lacs comme ça, il faut vraiment pas hésiter à les regarder. Parce que c'est vraiment dans les gros lacs où il y a le plus de diams. Donc, paf. Splendide. Le lac du col est marin. On va pas dire l'inverse, hein, effectivement. T'es mal à la taille du truc, quoi. Ouais, en plus. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Attends, je vais. Merde. C'était pas ce que je voulais faire. Hop. Ah, ça met en pause quand tu mets un point. Je sais plus si c'est 2 M ou un seul M. Bref. Énorme route. En vrai, je sais pas. Pour tous les creepers qu'il y a. Je sais pas vraiment quel biome préféré. En vrai.
Moi, je pense que ce serait bien Foiré Bleu ou alors le Chéribium, qui est ultra sympathique. Après, vraiment, je sais pas. Après, Biome Plaine, hein, basique, on regarde. Tous les creepers qu'il y a, c'est une dinguerie. Va peut-être falloir que je fasse des allers-retours, hein, parce que niveau bouffe, vraiment, je suis à sec. Hein. Enfin, j'ai plus que 33, donc c'est pas fou. Mais wesh. Bon, je vais prendre ça. Ouais, c'est clair, tu pourrais dire I'm here, I was here at the beginning. Ah, d'ailleurs, même toutes les personnes qui sont là, hein. Toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui. Ouais, James. Hop, voilà. Bon, je descends. Ah, j'ai bien fait de descendre encore une fois. Et tu vas voir combien de stacks de James là? Oh, le filon de zinzin, encore une fois. Ouais, anglais. Je suis en. Mon jeu est en anglais. Ouais. Un porc qui pique. Un hérisson. Pourquoi pas? C'est vrai que du coup, avec toutes les flèches. Ah, j'avoue que bon. Non, non! Ah, fils de yinche. On m'a pété un diamant. C'est pas grave. Peut dire que je suis un porc épique, effectivement. Oh, il y a du James partout, quoi. C'est. Oh, genre, juste là, il y a un filon 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 là. Mais vous me faites chier, vous. Il y a un filon là, il y a un filon là. Ah, c'est une dinguerie, hein. Incroyable, hein. Toutes les flèches que j'ai. Incroyable. Hop. Je vais faire le tour du terrain comme ça. Ah, et ben on est riche, hein. Je vous le dis, on est riche, hein. J'étais riche de base, mais là je vais doubler. Hein. J'ai carrément doublé mes réserves. Hein. Par contre, pour l'avoir celui-là, il va être chiant. Pas cool. Voilà, j'allais là. Ah oui. Oui, bah oui. C'est bien cerisier en français. Appuie sur E. J'ai toutes mes flèches qui sont dans notre domaine. C'est un truc de zinzin. Oh, il y en avait deux. Ah, il y en avait trois. Hop, et s'il y en a, tant qu'à faire. Ouais, bon, il n'y en a pas. On dirait qu'il n'y en a pas. Hop. Il est là-bas. Aïe. Aïe, du coup, les chaînes, ça fait un peu mal. Oh, j'ai quand même une petite pomme un peu, tiens. Allez, une petite. Je sais pas. Ah oui. Ah, mais les squelettes, c'est des snipes, hein. C'est pas des snipers, hein. Bonjour. Parlons de toi. Oh, je t'ai vu, toi. Oh. Voilà. Ah, mais y a du diamant partout, hein. Je vais jamais en sortir, hein. Ah, mais wesh. Hop. Voilà. L'argent! Ah, là, je suis Gucci, là. Hein. Ah, si j'avais le mode Iron Furnace ou Iron Chest, putain, j'aurais été bien. Ah, je vous le dis pas. Hein. Même si, bon, ça aurait surtout servi à récolter. Bah, pour le beacon en fait. Surtout pour le beacon. Hop. Carrément.
Je vais pas trop dire votre département, mais je suis dans le nord, quoi. Je suis dans le nord. Ah, il y a du diamant là, juste là aussi. Comment je pourrais le voir? Ah, il y a du diamant dans le lac aussi encore. Putain, quoi. Bon, par contre, le diamant qui est juste là, comment je peux le voir en fait? Ah, il est juste là. Bon, vous cassez les pieds, vous. Hop. Nickel. Oh, le rattrapage Elytra, c'est bon. J'ai fait un MLG Elytra, on peut dire ça. appel Discord, pas vraiment. Mais je réponds au message. Parce que les appels, j'ai souvent des trucs à faire où je mène ma petite vie tranquille, donc je réponds pas forcément, mais les messages, je réponds. Non mais c'est... Tant pis, on va y aller à la manière forte. Voilà. Oh, il y en a encore où du diamant? Oh, un Jenga Slime, ça va? On l'a vu. Salut Luna, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, c'est sympa. Oh moi. Oh, le filon de 500. Au moins, au moins. Oh, il y a encore du diamant partout, là. Oh, c'est un truc de fou. Ouais, d'accord. Refais ton discours. Je sais pas c'est quoi ton discours de base, mais refais-le, oui. Oh, regardez-moi tous ces mobs, quoi. Le filon, plus ou moins, quoi. Ah ouais, carrément, ça va de sa propre daronne. Tu parles en mon ref? T'as un mode? Ah bon? Lequel? C'est intéressant. Alors ouais, bon par contre j'ai pas de bloc. On va éviter d'utiliser des minerais de diamant. Ah oui, TNT too much. À l'époque j'avais fait une review d'un mod de TNT sur ma toute première chaîne YouTube. La vidéo elle a éclaté mais... Mais ça me fait rappeler des souvenirs du coup. Moi je pense que je peux les avoir. Hop là, nickel. Yes. Alors, on a presque 3 stacks de gems. Putain. Ah merde, je peux pas hésiter. C'est pas grave. Yes, exactement. Un ver de terre qui galère à monter. Exactement. Tout à fait ça. L'analogie est parfaite. Alors, ouais, là, il y avait du... Oh, oui, il y avait du diamant, je vais pas récolter, du coup. Oh, il y a trop de mobs, là. Ils sont abusés, mon jungle, là. Wow, regardez-moi ce concentré de mobs. Incroyable. Oh, bah, ça, j'imagine. Ça, j'imagine. Oh, ça se bat entre eux, quoi, carrément. Squelette. Oh, il s'est fait défoncer. Bonjour. Ouh. Ça fait mal, hein, Creeper. Tout pour l'argent. Ah là, oui, c'est du diamant, bien évidemment. Parce
Parce que si c'était autre chose, crois-moi que j'aurais pas fait, hein. J'aurais pas été. Hop. Et vous êtes vraiment casse-pied, hein. C'est un truc de zinzin, hein. Merci. Ah. Non, dégage. Ah, allez, merci. Bon, c'est bon, là. Voilà. 3 stacks de gemmes tout pile. Incroyable, n'est-ce pas? Les anciens débris, pour l'instant, c'est pas encore... d'actualité. Faut que je fasse une ferme à sable, voilà, faut que je fasse une ferme à sable. Et là ensuite je pourrais commencer des streams de ménage d'anciens débris. Pour essayer d'avoir le beacon. C'est marrant les gens qui se beacon. Ah, je vais être devant Mew dans quelques instants. Je préviens. Non mais... Ouais bon là, on est plus dans les couches de diamants. Ah. Oh putain, le feu ça brûle, fait chier. Ah. Heureux. Et j'ai une petite intervention. Bon, je suis coincé sous la lave, c'est pas cool. Ah, oh, zut, je vais mourir. Oh là là, zut. Oh, fais chier. Ouais, bah en fait, je vais essayer d'avoir le beacon en netherite cibalise. Donc, ouais, c'est sans doute ça. Oh non, c'est chiant par contre, là, frérot. Oh, putain. Papa. Bon, c'est pas grave, on va voyager un petit peu sous la lave. Hop, on va remonter tranquillement. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Ah, le pseudo, il m'a bien eu. Hein. Ah, il m'a bien... Enfin, la source d'eau, elle m'a bien eu. Bien. Franchement, bien, ouais, genre. Ah, juste à côté. Ah, même pas. Voilà, normalement, ça devrait être carré. Allez! Oui! Je lui ai fait la bise, carrément. Non, à moi. À moi, merci. Je lui ai fait la bise à la mort, carrément. Je fais... Laissez-lui. Tu ne mourras pas. Bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des minerais de diamants de cette grotte. Ah, c'est pour ça que je dis à peu près. Oh putain, ça continue encore par là-bas. Les gars. Incroyable, hein. Hop, il reste encore un peu ici. Carrément. Je te le fais pas dire. Hop, on me donne plus totem, vas-y, c'est bon, je suis bien. Y a pas de soucis. En vrai, y a que le vide qui peut me tuer. Et des creepers. Si je suis avec les Elytras. Hop, ouais, je pense qu'en vrai, on a fait à peu près tour. Hein. Ah, bonjour. Parce que là, c'est d'où je viens. Là, je pense que d'où je viens, j'ai aussi fait le tour. Donc ouais. Bon, attention, si j'en rate un ou deux, je pense que c'est pas grave, hein, au vu de tout ce qu'on a. Mais bon. Je pense que ouais. Bah, j'ai pas besoin d'aller explorer la grotte que j'ai prévu d'explorer, finalement. Parce que bon, là, on a un autre compte. Hein. On a notre compte en termes de diamants. Ah. Ah. Oh, il y en a quelques-uns encore ici. Il y en a encore quelques-uns. Let's go. Super. Ah.
Ça, par contre, c'est une situation pas cool. Parce que exploser sur le même bloc qu'un creeper, ça peut être fatal. Hein. Même en étant full P4. Hop, splendide. Encore des petits minerais par-ci, par-là. Je sais pas si on en a encore ici. Je check ça. Oh, ça a l'air d'être bon, là. Ah. Oui, je m'en rappelle. Aïe. Je m'en rappelle, effectivement. Ouais bah ouais, je pense que là on est plutôt bon là au niveau diamant. Hop, on a fait à peu près. Ah bonjour. Et partout je dis je vais faire. Ah ça y est, on a fait le tour. Bah y a encore du diamant devant moi qui pop. Bah écoute, y a pas de problème, moi je prends. Avec grand plaisir. Merci beaucoup monsieur. Et hop, je repars vers de nouvelles aventures. Ah ouais, non mais regardez ici. Merde. C'est un truc de zinzin. Un truc de zinzolin, vraiment. Oh, ça continue par là. À moins que je suis venu de là. C'est possible que je sois venu de là, par contre. Ouais. Ah ouais, on voit mon pilier, là. Ouais, je suis venu de là. Yes, je me rappelle. Ok, ok, bah super, je pense qu'on a terminé cette grotte. Voilà, non, 3 stacks quasi ennemis de diamants. Vraiment pas mal. Vraiment incroyable cette grotte. Je m'en souviendrai. C'est vrai qu'on n'a pas fait le mineshaft, pourquoi pas faire le mineshaft? Et pourquoi pas faire le mineshaft? Si la majorité est dans les airs. Je pense qu'en fait le mineshaft entier on le voit en fait. La caverne d'Ali Baba, ouais, carrément. L'argent, la thune. Ah oui, bah là on va en avoir plein de thunes, on va fortuner tout ça, fortune 3. Ne vous inquiétez pas que là je vais mettre Gucci. Ouais. 3 fois même. Par contre, s'il n'y a pas des petits coffres, des petites chests, j'avoue que ce serait sympathique. Là, je vois pas forcément de chest, donc... Ah, bah voilà, nickel, du diamant. Hop. Ah, je te jure. C'est parti pour une heure en plus, ouais. Ouh, ça vous dérangerait pas. Moi non plus, ça me dérangerait pas. Mais moi, ça dérangerait à mon sommeil pour le lendemain. Ouais, non, je pense que c'est à peu près la même grotte. Ouais. Ok. Bah non, bah y'a rien finalement. Bon, bah on va revenir à la surface. Ah, moi je peux pas. À un moment donné, je m'endormirai quand même. Mais ça aurait été sympa. Surtout que demain, il y a cours. J'avoue que là, demain il y a cours, c'est vrai que je vais totalement oublier. Enfin, pour vous en tout cas. Si vous pouvez voir combien de diamants j'ai après duplication, eh bien ce serait carré dans l'axe. Ah, comment ça, Victory? Ah oui, t'as gagné. Oui. J'ai gagné. Bah, GG à toi. Pas pour toi. Eh ben. Bah, tant mieux alors. Bonne question, je sais rien du tout.
Moi, je prends du charbon ou pas? Bon, j'ai la flemme de prendre du charbon. Vas-y, je me casse. Quoi? J'ai pas compris. Ah bah, splendide. Ah oui. Je suis privé de grotte en effet. Mais ça me va très bien. Être privé de grotte après avoir réussi à récolter 3 stacks et demi de jams, je pense que c'est pas mal. Ça me va très bien. En plus, je suis pas loin de... Je suis vraiment pas loin. Donc... Bon. La question est la suivante dès à présent. Est-ce que le bitcoin en diamant va être faisable ou pas? La question qu'on se pose tous. C'est parti. Carrément, carrément. Bah très clairement, je pense qu'avec tout ce qu'on a, le bitcoin on l'a fini. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper et le finir en 10 minutes. Bon, là, c'est compliqué, par contre, mais... Hop. Parce que là, je peux espérer avoir, bah, du coup, deux fois plus de diamants, on va dire. Donc, on va dire 7 et 7, 14, 14, 28... Ah, peut-être pas... Quoique j'ai déjà de stack de blocs de gems. Je sais plus combien j'ai de stack de blocs de gems en fait. Ça dépend de ça. Mais je pense que c'est largement possible. Je m'appelle Teuge. Je m'appelle Teuse. Ah, c'est ma mère, c'est Dez. Mon père, Seuse. Ah, c'est rigolo. J'aurais peut-être pas faire ça ici. Alors. Attendez, seconde. Je vais prendre des mesures de sécurité quand même. C'est vrai, j'avoue, je suis sur à côté de la lave comme un connard. J'ai pas un petit sou qui traîne là. Oh là, j'ai un seau d'eau, mais bon, tranquille. Hop, ouais, la musique est terminée. La musique est finish. Ok. Moi, je vais mettre la source d'eau là. Oh, j'ai cru que j'étais parti dans le nether. J'ai dit, hein? Waouh, j'ai bugué là, mon cerveau il est un peu bugué. Regardez-moi tout ça là, c'est beau. Hein, c'est beau. Ouais, c'est beau. Alors juste retirer la source de lave un peu temporairement. Hop, voilà. Et on continue de poser. Ah oui, je m'appelle Teuz. Voici ma mère, Cédez. Voici Vibro, ma soeur. C'est rigolo. Hop, voilà. Bon. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, là, faut que je jette le bon arc. Zbe. Oh, t'as redstone. Oh, pas mal de redstone. Ça va, tranquille. Et là, diamant. Bleh. Oh, la douche de diamant! La douche de diamant. Incroyable. Et on en a. Ouah!
Oh, Zebi pour 3 stacks et demi. Enfin, quasi. Quasi 3 stacks. Aïe, aïe, ouh. La satisfaction. Eh, je te jure, c'est tellement satisfaisant. Je vais remettre mon seul lave quand même. Pour la faire Baston, si on va pas trop marcher. Ah, oui, carrément là. Ah, c'est un truc de fou ça. Wouah, putain, la vache, tout ça. Je m'attendais pas en avoir autant. Réel. Maintenant, on va voir combien ça fait en termes de blocs. Bon, je pense que là, le beacon, il est fait. Hein. Les greffes. Après, je vais pas mettre de faux espoirs. Hein. Ça se trouve, pas du tout. J'ai 3 stacks de blocs de gems. Allez, let's go. On va faire le beacon. Aïe, aïe, ou. Bon, je vais juste remplacer celui qui est en fer. Donc hop, il manque un bloc. Non, c'est bon. Ah non, non, et là il manque un bloc. Non, je sais combien, c'est 2 stacks et 32 pour faire le beacon. Je sais, c'est 2 stacks et 32. Donc il en manquera pas, t'inquiète. Incroyable. Les petits beacons en jams qui fait plaisir. Hop. Ah, ça veut aussi dire qu'il va falloir que je farm aussi des beacons. Ce serait sympa d'en avoir plus. L'argent! Ah bah là c'est le flex, hein. Le flex ultime. Enfin, presque ultime, vu qu'après il y a eu le beacon dans les urites, mais bon, ça va se calmer. Hop. Regarde, le golem c'était cadavre, voilà, juste là. Tu vois les blocs de fer, bah c'est tes potes. Hop, donc regarde. 2 stacks et 36, pardon, c'était pas 32, 2 stacks et 36. Allez hop, c'est parti. Oh là là, il est beau. Hein. Il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. C'est réel cependant. Par contre, bouge ta race s'il te plaît, merci. Hop. Oh, regardez-moi tout ce bleu argenté là. Comment c'est beau là. Ah, c'est beau hein. Ah ouais, c'est beau. Je trouve que c'est magnifique. Hop. L'argent. Eh ouais, ouais. Hop. Voilà. Hop. Je sais pas si j'irai. Si, ouais. Et voilà, le beacon en diamant, il est là. Stylé, hein. Stylé, stylé. Incroyable, le petit beacon en diamant qui fait plaisir. Eh ben, il en reste 28. On se met très très bien. On se met très très bien. Ah, le flexeur. Ah, bah là, oui. Là, c'est le flex. Hein. Le giga flex. Masterclass de la part du joueur français. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Du coup, je vais pouvoir faire ça. Mettre tout ça là-dedans. Paf, paf, paf. Je vais profiter du temps qui me reste pour ranger mes shulkers. Parce que, quand même, j'ai laissé toutes mes shulkers dans une. Dans un état absolument déplorable. Le fric.
Oui, la thune. Hop. Non, je vais ranger ma shulker et puis après je vous laisserai là. Je vous laisserai là vu qu'il est 23 h. Hop, de toute façon, tout ce qui est laisse. Donc la prochaine fois, je vais m'attaquer à la collecte des ressources pour faire la ferme à canne à sucre. Eh mes amis, la fameuse ferme à canne à sucre. Non, Aston. Je vais mettre ça là-dedans. Ensuite, il y a le bois. Ficelle, je crois que j'ai mis un coffre spécial pour les ficelles. Le fric, eh oui, le fric. Zombie noyé. Hop. Ouais. En vrai, de vrai, il faut que je vois avec des logiciels 3D qui sont capables de faire de convertir des modèles 3D en bloc Minecraft. Faut que je vois comment faire. Parce que ça serait de faire des trucs comme ça. J'ai pas de coffre pour la canne à sucre? Ah si, j'ai papier, mais bon, pour la canne... j'ai pas de coffre pour la canne à sucre. Ok, bah ce sera là alors. Voilà. Je vais décréter. Alors, hop. Oh, levier, je peux les jeter, je m'en tape. Ça aussi, je m'en tape. Torche, vas-y, oh, quoi, hop, voilà. Oui, ça bien sûr. Oh non, non, j'arrête pas tout de suite, j'arrête pas tout de suite. Je range mes shulkers tranquillement. Et oui, toujours les logiciels, bien sûr. Oh, j'ai encore tellement de slabs. Je vais remplir mon coffre de stone avec ça. C'est fameux. Heureux coucou agent, bah t'arrives en toute fin de stream. En plus t'as raté un petit truc. Je te montre après. Toujours le même, exactement. Ça et ça arrangé. Ça et ça arrangé. Hop. On a toujours des dalmi. Bon, au moins, des slabs, j'en aurai pendant un petit temps. C'est le point positif. Faut aussi que je les amène, ceux-là, à la maison des abonnés aussi. Il est vrai qu'il faut que je fasse ça également. Des commentaires, tu dis demi-dalle. Oui, je dis demi-dalle. J'étais influencé par Fuse. Et surtout, je pense que j'ai dit demi-dalle par moi-même. Je sais pas. Bref. Hop, où tu en redstone? C'est ici. Ficelle. Bon, ça, je mets tout ce qu'elle est. J'ai 16 selles quand même. La vache, les anciennes cités et les marchands, ça aide beaucoup. Cuir, center, non, je gueule, c'est une marque. Bonne mille. Je crois que j'ai un coffre pour la bonne mille, bien sûr. Parce que maintenant, c'est que des os. Mais vu que j'ai un spawner à squelette, il va falloir que je l'aménage aussi, le spawner à squelette, hein, bien sûr. Pour avoir une petite herbe à bonne mille, bien quali. Alors, les os, je peux les mettre là, franchement, je m'en tape un peu. Hop. Et je pense qu'après ça sera bon pour le rangement. Et toi, le bourdon, pour toi qui as connu mes coffres en modé, bah tu dois te dire, ah c'est incroyable, il est en train de ranger ses coffres, c'est un truc de fou ça. Eh oui, j'ai pris des bonnes résolutions. Yes, 23 h exactement. Hop.
Ah ouais, parce que moi, dans ma survie, même après 1000 jours, mes coffres étaient pas rangés. Attends, j'étais en train de construire ma salle des coffres. Et donc, du coup, bah, j'ai jamais fini, lol. Jamais fini vu que je suis mort. Au jour 1076, malheureusement. Bonne nuit à toi! Bonne nuit à toi! Et courage pour demain! Jour 100 et un stack! 100 plus un stack, let's go! Ah, mes fusées! Attends, faut mes fusées, moi! Ah, carrément! Donc, du coup, ce que t'as arrêté, le citron, c'est ça! Bicon en diamant, voilà! Comme ça, bah, c'est fait! On a le bicon en diamant! Dernière chose avant de se quitter, j'essaie de mettre les chevaux à leur place, c'est-à-dire dans la maison des abonnés. Donc paf. Donc toi, viens là, viens là. Viens là. Et viens là. Oh, vous inquiétez pas, on se retrouve demain, de toute façon. On se retrouve demain pour plus d'aventures. Bon bah là, va falloir que j'aille doucement, vu qu'ils sont... Bah voilà. Faut y aller un par un, les refs. Attends, je vais mettre un poteau, vu que... J'ai ramassé cela avant que ça despawn. Voilà. Splendide. Bon, ça va être un peu long. Mais bon, j'imagine que vous, ça vous arrange. Comme ça, le stream, il dure plus longtemps. Bien sûr, bien sûr. Bon, moi aussi, ça m'arrange, hein, parce que, bon, le jeu... J'ai pas envie que le stream s'arrête, mais... Bon. Malheureusement, le temps fait que je suis obligé. Ah, si c'était vendredi après-midi, enfin vendredi soir du coup, vendredi soir j'aurais continué, mais là vu que le lendemain c'est mardi et j'ai un rendez-vous, lol, eh bien je ne peux pas rester malheureusement. Et bon, c'est pas grave, on se retrouvera demain. Demain, même heure, 8h. Faut du coup que je me mette une habitude de dire 8h plutôt que 21h. Bonjour, Hamed, bien ou quoi? Et donc, du coup, il y a à partir de 8h demain. Non, ça va, ça va, ça va. Juste au début, le temps de charger les chunks, hein, comme d'habitude, vous savez. Mais sinon, aujourd'hui, ça va. Ah, désolé, les refs, mais là... J'ai pas trop le choix de péter les arbres. 200! Putain, GG! T'es chaud, t'es chaud, hein. Quoi? Ah, fort, tu voulais dire? Je sais pas ce que t'as voulu dire du coup, mais... Oui. Ah, oh, mais hey, la maison, elle est à 2 km, là. C'est chaud. Chaud patate, incroyable. Hein. Eh oui, c'est moi qui tue les arbres, mais je les replante après. Je les replante, promis. Mais sinon, oui, c'est moi qui bute les arbres. Ah mais là ça va être chiant là. Attends, il n'y a pas un... Ouais non, c'est bon, je peux passer par là, youfou. Hop, on va essayer d'accélérer un peu. En essayant de pas les foutre dans l'eau parce qu'ils remonteront jamais sinon. Allez, montez s'il vous plaît. Allez, faut monter là. Ça marche. Tout le monde est là, tout le monde est là. Hop. Ça, on y est presque, je tape un petit sprint là. Le petit sprint. Et du coup, ça fait un peu plus de 3 heures de live. C'est cool au lieu de 2 heures.
On est tous là, les copains. Allez, on y va. Là. Non. Non, toujours pas. Hop. Et voilà, ils sont là. Ils sont là. Tranquillou dans leur enclos. Et donc, bah, ils vont pas disparaître. Voilà. C'est sympathique. Comme ça, ils vont être comme masse. C'est pas faux. Moi, je les ai du coup un peu fait courir. Justement. Attends, j'ai pas une. Comment ça s'appelle? Un poulpe luisant là. Pour faire ressortir le panneau. Hop. Oh, je viens de remarquer un truc. Il y a un problème là. Ah ouais, ah c'est rigolo ça, je l'ai même pas, j'ai jamais remarqué. L'entrée là, elle est pas bonne là. L'entrée là, elle est pas bonne. Oh, c'est pas bien, j'avoue, c'est pas bien. Je refais l'entrée, elle est pas bonne ici. Voilà, et je me sens mieux comme ça là. Ah oui, là c'est mieux là. Ah, je me sens mieux comme ça. Juste que je casse ici du coup. Ah, faut que j'aille aussi voir la ferme à faire pour voir ce qu'elle a produit durant ce live. Bien sûr. Oui. Oui. C'était ton idée. C'était toi qui me l'avais proposé. C'est pour ça que je l'aimais. Hein. Sinon, j'y aurais jamais pensé. Hein. Il y a tout cassé. Allez, je casse tout. Hop. Donc bois. Oh, est-ce que je mets les feuilles là-dedans? Ouais, c'est quoi, je vais me foutre là-dedans. Voilà. Tac tac. Levier, je vais mettre dans tout de la stone. Puis ouais, voilà, on est bon. On est bon. Bon, je vais regarder la ferme à faire et puis je vous laisserai là. Alors elle est par là-bas. Allez, vas-y si tu veux. Elle a produit tout ça. Du coup, tous les lingots, hein, bien sûr. Hop. Du coup, je vais même pas regarder pour plus loin. Donc voilà, vous êtes tous sur le mur. Hein. Tous ici. Donc c'est cool. Hop, du coup, bah, t'es là. Ah ouais? Non mais en vrai, fallait y penser. C'est vrai que du coup, bah, dans le tuto, c'est une maison où justement les enclos bah, sont faits pour ça. Et j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Mais ouais. Bonne proposition. C'est sympa. J'ai juste... J'ai pas trop confiance. Juste les foutre. Oh puis non, vas-y, tu sais quoi, je vais laisser comme ça, on verra bien. Si jamais ils disparaissent, tant pis, c'est pas grave. Bon, non, vas-y, tu sais quoi, je vais mettre les laisses, je suis pas serein. je vais les mettre en laisse. Hop. Voilà. Le tuto schématique, ouais, bah il m'a bien aidé, même si en vrai j'aurais peut-être pu faire ça en vrai. Mais bon, il m'a quand même aidé. Hop.
Ouais, je sais pas, je fais quoi, je mets... Ouais, c'est pas fou parce que du coup, ils peuvent pas se balader. Attends, t'sais quoi, je prends le risque. Je prends le risque qu'ils puissent se casser. Hop. Normalement, non. Bah non, le dragon, je l'ai déjà buté, donc... Bon, je refasse le craft. Pour le refaire respawn, etc. La flemme. Allez, let's go. Incroyable, c'est bon, j'ai réussi. Non, on te dégage finalement. Hop, voilà. Bon, et bien voilà. Sur ce, bah, fin du stream. Je vais vous laisser ici. On a fait le beacon en diamant, mais on reste, pas sans reste, hein. 28 blocs de diams, voilà. C'est pas rien. Pas du tout même. Hop. Merci de m'avoir suivi durant ce stream. Fais les 7 kills du dragon. Non, c'est pas 7, mais 20. Donc 19. Mais pour l'instant, non, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Je préfère me concentrer sur les différentes fermes. Mais un jour, ça. Un jour, je vais le faire. C'est sûr et certain. Bref, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Une bonne nuit. Bon courage pour demain. Vraiment. Bon courage pour demain. Et sur ce, si je peux le renommer, mais. Je ferai ça plus tard, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Et sur ce, c'était une fille. À la prochaine! Salut!